Grande tournée européenne avec le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organise une grande tournée européenne sur 2 mois dans les pays suivants. La France, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Notez bien, la tournée démarre en novembre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Le prophète Joël Crasso prie tous les comités d'organisation de chaque pays cité de bien vouloir prendre contact au numéro suivant. 00 337 80 860 057, 00 337 62 402 484. Que Dieu vous bénisse. Que tu nous conduises et que tu nous bénisses, que tu te révèles à chacun d'entre nous en nous accordant la guérison, la délivrance et la restauration dont nous attendons de toi. Nous ne sommes pas venus nous confier à une personne. Nous sommes venus, Seigneur, te chercher et te trouver, parce que tu es Dieu. J'ai dit là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je me tiens parmi eux. Amen. Nous croyons à ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que tu es ressuscité et que tu as vaincu la maladie, vaincu le diable, vaincu la sorcellerie, vaincu nos difficultés. Amen. Tu nous as délivrés de par ta mort. Nous rendons toute la gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Dis à quelqu'un. Quand vous venez ici, toutes vos difficultés là, c'est comme c'est moi où j'étais. Ouais. Depuis, on vit ensemble. Amen. Voilà, parce que je vais donner rendez-vous à 8 h, mais je suis en train de régler des choses spirituelles. Amen. Souvent, c'est par moments important d'avoir le discernement, de comprendre les messages, et puis d'aider les gens et tout ça. Voilà, donc nous allons démarrer un programme jusqu'au soir, jusqu'à dans la soirée. On va essayer, de, avec l'aide de Dieu, d'aider chacun d'entre nous. Amen. 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 Quand tu es rentré ici, il y a des gens qui te suivent spirituellement, et quand tu es rentré ici, les esprits ont commencé à m'attaquer. C'est ça qui a fait que je suis en train, il y a une personne, spécialement une personne qui t'en veut et qui est en train de bouger ta vie, et elle-même te suit ici. Voilà, c'est ce combat là que je suis en train de mener. Sinon Dieu veut te bénir, n'est-ce pas? Mais il y a quelqu'un qui est en train de détruire ta vie. Ta maman, ta mère t'a déjà détruit en sorcellerie. Lui, elle a déjà vendu sa vie en sorcellerie. Il y a ce combat que je suis en train de mener. Si tu ne venais pas ici, en décembre, tu étais mort. Heureusement que tu es venu. Sinon, en décembre, tu étais mort. Ta maman t'a déjà détruit en sorcellerie. C'est quelqu'un qui doit avoir de l'argent. Mais sa mère t'a vendu, elle a vendu ta chance. Et le problème résout là. Mais, tu vas faire le retour à l'envoyeur. Amen. La voici à Sidi Wahabou. Elie la Tosia, Sidi Wahabou. Elie la Tosia, les Sidi Wahabou. La voici à Sidi Wahabou. Elie la Tosia.
chanté. Que Dieu fait, le diable nous attaque. Le plan du diable, c'est de nous détruire. Et la volonté de Dieu, c'est de nous bénir. Et la Bible dit que nul ne peut aller contre la volonté de Dieu. Pour ça, lorsque tu cries à l'Éternel, il t'entend. Il dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Quand tu es dans le malheur, il faut crier à Jésus. Il ne faut pas aller chez les petits chiens. Jésus peut te délivrer. Le seul peut te délivrer. Amen. Amen. Le jour où je suis ça, c'est fini. Il est maintenant ma raison de vie. Amen. Il faut que vous ayez Jésus-Christ dans votre vie. Amen. Pour que les gens aient peur de vous. Amen. Ils auront peur de vous lorsque vous aurez ce puissant monsieur dans votre vie. Amen. S'il n'est plus l'intérieur de votre vie, ils vont vous manger avec la sauce de Clity. Moi j'ai curé. Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour ça. Veuillez vous asseoir. Chaque parent pense au moins mener son enfant. Amen. Amen. L'enfant, sa place à l'école. Sa place à l'école. Il faut qu'il parte à l'école. Il faut être bien éduqué. Sinon, si la rue l'éduque, sera microbe. Et il n'aura pas d'eau javel, qu'antibiotique les tue. Que Dieu aide tous les parents d'élèves de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Amen. Que Dieu vous aide. Il donne les moyens pour scolariser vos enfants. Et que Dieu donne l'intelligence et la sagesse aux enfants. La sagesse aussi aux enfants et l'intelligence. Amen. Afin de pouvoir bien mener aussi la vie. Amen. Un enfant, il doit respecter son père et sa mère. Doit respecter ses aînés, voilà, pour avoir une longévité. Amen. J'en profite pour annoncer le programme de l'Europe. Ça démarre maintenant, les gens voulaient la date, c'est à partir du 3 et 4 novembre. Ça sera à Lyon. C'est le 3 et 4 novembre 2017, c'est à Lyon. Le 3, c'est vendredi, le 4, c'est samedi, c'est à Lyon. Et tous les enfants spirituels doivent se réunir pour tous de ce programme, parce qu'il y aura aussi la dédicace de mon livre qui sort cette année. À Lyon. Voilà, donc tout le monde doit convoyer, tous ceux d'Italie, tous ceux qui sont en Angleterre, tous ceux qui sont, n'est-ce pas, en Suisse. Et c'est à partir de ce programme de lancement que nous allons essayer de toucher les pays. C'est la France qui pilote les choses. Mon quartier général, bien sûr, ça sera en France. Et à Lyon, bien sûr, c'est mon quartier général. Et après, on aura l'occasion d'aller en Allemagne, l'Espagne, la Suisse, la Belgique, l'Autriche, la Grèce, Hollande, la Suède, l'Italie. Déjà, merci pour Séraphine, une de mes filles là-bas qui pilote un peu cette histoire de Séraphine. Et aussi en Suisse, il y a aussi une de mes filles, Sylvie, et qui pilote aussi, le comité de la Suisse. En Angleterre, Portugal, Norvège, voici les pays que je vais visiter pendant 2 mois. Je viens là pour prier pour vous, parce que chaque fin d'année, les sorciers programment des gens viennent manger. Voilà, il faut qu'on prie pour vous. Et puis l'année 2018, là, c'est une année très importante
pour la diaspora et pour le, dans le domaine de nous les nègres. Excusez-moi pour l'expression de la loi. Dieu va commencer à nous positionner. Amen. Je vais venir échanger avec vous comment investir en Afrique. Il faut qu'on vienne investir en Afrique. Vous partez au Sénégal, vous allez au Cameroun investir. L'Afrique, c'est le territoire et le continent de l'avenir. On a peur à cause de la sorcellerie. C'est pas faux. Ils existent et ils mangent. Ils gâtent. C'est pas faux, mais le maréchal va vous aider. Le maréchal de cette brigade. Heureusement, il y a brigade pour les sorciers. On a des t-shirts, on dit, ah, sorcier aussi, à brigade, vous savez, oui, on est là pour eux. Amen. N'a pas peur d'eux. On dit brigade anti-salébrité, ils ont écrit sur tricot. Mais nous aussi, on a brigade, c'est l'anti-sorcier. Amen. Quand tu rentres ici, tu rends témoignage. Yes. Si on t'a trempé dans la maison, tu vas rendre témoignage. Amen. Si on t'a trempé dans ton village, tu vas rendre témoignage. Amen. Nous avons toutes les âmes puissantes au monde pour détruire la sorcellerie. Amen. 8, 10, verset 19. Ce verset suffit. Je vous donne le pouvoir, mon nom, de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Ce qui met l'Afrique en retard, c'est la sorcellerie. C'est pas autre chose que ça. Nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes très intelligents. Mais imaginons, maintenant, on a indiqué un soir avec ses copains et boit le cerveau comme des gars. Tu ne sais pas qu'elle est sorcière, tu l'embrasses, elle avale, le cerveau devient comme des gains, elle boit ça. 0-0 dans ta tête. Des jeunes mecs qui vont mettre boire pétrole de leur village. Et pour nous, en 2009, on doit aller mater la sorcellerie sur ce territoire. Je fais une semaine, plus de 300 sorciers, je suis devant les gens là. Je parle avec eux. Je dis, c'est votre territoire, mais je vous mate. Parce qu'il y a ce pouvoir. Amen. Vous voyez un village qu'on dit à pétrole, où est le pétrole? Ils ont fait disparaître. J'ai dit, ça doit revenir. Amen. Ça doit revenir, ça ne vous appartient pas. Amen. Ce territoire appartient à mon Dieu, le grand Dieu, dont je suis l'héritier. Nous sommes héritiers de Dieu. Amen. Donc cette terre appartient à Dieu. Qui va me rendre ça? Je l'ai attrapé le sorcier. Et là, le pétrole. Ton sale ventre là, c'est là-bas que tu as mis un pétrole, la Côte d'Ivoire va bien ça pour se développer. Hey. C'est malade ou bien. C'est pour toi. Tu sais comment on met pétrole dans, sous la terre? Vous savez gâter, vous ne savez pas ranger. Et après, c'est la Mauritanie. Quand c'est comme ça, il est si vite, vite, vite. Ton visa. C'est ça, mais. Non, le visa est si vite. À cause de toi, toute une région va rester en retard. Bah, monsieur, il faut dégager. Amen. Et puis, on va avancer. C'est ça, mais. Moi, c'est ma prière. Celui qui ne veut pas me faire avancer, qui dégage. Amen. Je vais avancer. Tous ceux qui s'opposaient à Israël, pendant qu'Israël partait à Cana, le Seigneur les a tous détruits. Amen. Ils ont eu sept formes d'opposition. Mais le Seigneur toujours éliminait ceux qui s'opposaient à la destinée d'Israël. Parce que Israël, c'est Cana. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu dégages, mon chemin. Dégage. Je ne suis pas contre toi, je ne t'en veux pas. Non, j'ai fait quoi? Non, parce que je vois, il va réussir le football. Qui joue un footballeur dans sa famille? Chacun prend son fils. Allez, va jouer, ballon, on le négate. On va le chercher. Qui ne veut pas? Toi, tu es un footballeur et tu le gâtes. Alors, ça veut dire quoi ça? Pourquoi les sorciers sont bêtes? Et les gens disent non, les Africains, attends. Les gens disent, mais. L'ignorance, c'est pas l'ignorance. Celui qui ne connaît pas la sorcellerie qui est dans l'ignorance. C'est celui qui ne connaît pas qui est dans l'ignorance. Parce que la sorcellerie existe. Si ça a un nom, c'est que ça existe. On ne peut pas nommer quelque chose qui n'existe pas. Écoutez-moi très bien. Si vous ne croyez pas à ça, gardez vos sang-froid dans l'humilité. Approchez ceux qui connaissent, ils vont vous expliquer. Parce qu'on n'est pas censé tout connaître. Ça, c'est clair. Les gens ne sont pas bêtes pour donner goût. Bougnon en bété, Soubaga en doula, et puis ça n'existe pas qu'on donne les noms. En français, sorcier, quelque chose qui n'existe pas, ça existe dans toutes les langues de la terre. Attendez, doucement, sous les avocats du diable, dites-nous, on va vous délivrer. Amen. On va vous délivrer. On va voir les commentaires, les gens comment ils m'insultent.
Les gens n'ont rien fait, n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Donc ce qu'ils disent, c'est comédie. On ne les force pas. On ne force personne ici. Ce que tu as dit, tu as fait, tu vas dire. Tu vas dire. Parce que la sorcellerie, c'est un pacte de silence. Ils n'avouent pas. Ce qu'ils font, c'est un pacte. Le jour, il avoue. Lui-même, ça facilite sa délivrance. Il faut qu'il passe par là. Et après ça, il y a la délivrance qui s'opère après. Il y a des gens qui ont été délivrés ici. Amen. Amen. La vie là, les deux filles venaient. Elles ont été délivrées, on acclame le Seigneur. Tu as été délivré. Ça va maintenant. Tu ne vas plus t'envoler. Bon, 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 bon. Bon, bon, bon. J'imagine quatre sorties dans une maison. Ah, la nuit, décollage de l'avion. Bon, 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 bon. Non, il y a trop. Hé, sorcier. Ça va. Tu ne t'envoles pas la nuit, là, ça fait. Sorcellerie. La nuit, Dieu est fait pour dormir. C'est ça, les vieilles. Moi, elles ont le mot de grain. Elles sont tordues. Comme ça, d'autres mêmes marchent comme ça. Parce qu'elles s'envolent la nuit. La nuit est faite pour se reposer. Vous êtes deux trappes. Souba. Ça va? Allez vous asseoir. C'est le chemin de l'école maintenant. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Ça va là-bas? Oh, il y a CIB, il y a EcoBank, il y a toutes les banques. Mais lui, c'est Anuis. Anuis, mais c'est pas joli. Oh. C'est là-bas, il met. Pourquoi vous les sorciers là? Vous êtes bizarre. Maintenant, ça va. Gloire à Dieu. Maintenant, tenez les chocos, joli. On va y baver. Le diable n'a fait pas alliance avec lui. On ne marche pas avec le diable. Dis à quelqu'un, on ne marche pas. Pourquoi marcher le diable? On ne marche pas avec le diable. Marcher le diable, c'est ce qu'il va vous montrer. Lui n'a pas de sentiments. Il va te blaguer. C'est un bon menteur. Il va te détruire là. C'est son ministère, ça, c'est la destruction. Maintenant, ça va, tu ne bats plus. Dans quelques années, tu vas te marier. Où est-ce? Thierry, pourquoi tu te maries? Hein? C'est ça, non? On acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu est merveilleux. Mais il était venu dans un état très grave. Il bavait. Et le Seigneur s'est puissamment, mais rapidement, avec quelques délivrances. Et toute la soirée, après ça, je vais procéder. Parce que souvent, je programme. Et puis le Seigneur me dit, fais comme ça. Voilà, c'est la partie bizarre de nous les prophètes. Oui, parce que souvent sur l'esprit, c'est les pasteurs qui sont là dans les choses. Souvent nous on programme les choses, le Seigneur dit, voici comment. Les démons qui te suivent sont graves. Hein? La haute sorcellerie. Mais on va te délivrer. Amen. Ne dites pas amen. Amen. Tu seras délivré. Amen. Ici c'est le terminus. Amen. Tiens, quelqu'un, terminus. Terminus. Alléluia. Amen. Il y a trop de sorciers. Fille, sa soeur est où? Sa soeur vient. Ils lui ont donné la sorcellerie et puis ils ont donné la viande au petit. Le petit qui est là, là. Donc le papa lui-même est là. Ils ont fait tous les examens, il n'a rien. On dit il n'a pas trouvé de maladie dans son ventre. Le petit m'a dit, c'est sa soeur qui lui a donné la viande. Et comme la vie ne supporte pas, c'est pour ça que son ventre est enflé. C'est pas ça? Donnez le micro aux parents. Emmanuel, ça va? Salut, moi. Voici papa, il est délivré, t'as compris? Oui, oui, papa. Hein? Hein? C'est pas bien de tout le monde, mange. Maman, il y a Choukouya empoisonné. Choukouya qui est empoisonné. Vous voulez manger bien? C'est pas bien de tout le monde, mange. Allez-y, monsieur. Non, il était malade. J'ai parcouru les hôpitaux, à chaque fois on ne trouve rien. Tous les examens possibles, je les ai faits. Même un scanner, rien. Donc on a tourné, 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 rien. Le seul truc qu'ils ont trouvé dans tous les examens, une petite anémie. Lui petit, il a petit. J'ai tout fait, rien. Et j'étais en service à Katula, je les ai appelés, ils m'ont trouvé là-bas. On a tout fait, rien. Et c'est quelqu'un
Ça dit quand quelque chose est bon, ça y est à côté de toi, on ne prend pas ça au sérieux. C'est de la France. La personne m'a envoyé le numéro et nous avons atterri ici. Et depuis nous sommes là, quand on est arrivé, on ne pouvait pas s'asseoir. Quand on était là-bas aussi, il peut être à tout au moins 3 jours. Tous ses yeux sont fermés. Il ne voyait rien. Donc aujourd'hui nous sommes là, ça a commencé à aller. Ça a commencé à aller. Qu'est-ce qu'il a? Ce qu'il t'a dit là? Ce qu'il m'a dit, au début quand on lui demande, il ne parlait pas. Quand nous sommes arrivés ici, il avait honte de me regarder. Et un soir, je suis sorti, quand je suis rentré, sa maman me dit, viens, je te parle. Elle dit, ah, ton fils dit, il est sorcier. Oui, sa maman. Okay. Elle me dit, viens, je vais te parler. Ton fils vient d'avouer quelque chose. Il dit qu'il est sorcier. Ils m'ont attaché, ils ont attaqué le bébé qui est dans mon ventre. Voilà, le bébé de sa maman, donc elle a la bouche, non? On va l'entravailler, Voilà, elle dit qu'elle a mal au ventre, donc elle est sortie. Sinon, normalement, sa maman, le bébé qui est dans le ventre de sa mère, est attaqué mystiquement. Oui, allez-y. Donc, c'est ainsi. Le voici qui est là. Quand il a confessé, depuis là, il est là, ça commence à aller. Il dit quoi? Il dit qu'ils m'ont attaché. En réalité, ils m'ont fait un truc, j'étais à boiter. Il dit quoi? Il dit qu'il est sorcier. Ah! C'est ce qu'on a mis dedans, sinon en réalité, là, lui, il t'a dit quoi? Il dit qu'il est sorcier. Qu'est-ce qu'il y a dans son ventre? Il dit qu'il a mangé la viande, que son ventre est frigo. Ah. Le congélateur. Merci, c'est ça. C'était plus gros que ça. Ça a diminué. Montre-le bien. C'est le congélateur. C'est le congélateur. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, parle à sa soeur. Qui a donné viande à le petit là? Qui a donné? Tu as été délivré? Oui. Tu avais quoi? J'étais sorcier. J'étais sorcier. Oui. Comment? Sorcier comment? Tu mangeais l'homme? Oui. C'était doux, c'est doux? Oui. Quelque chose que je dois, n'est-ce pas? Qui a donné viande à ton frère? Ah bah rien t'est fait. Qui a donné la viande à ton frère? C'est toi. Oui. Comment vous avez fait? Faut pas avoir peur, on ne te fait rien. Ils t'ont délivré, non? Oui. Ok, donc c'est fini. Maintenant, il faut dire, qui a donné la viande à ton frère? C'est moi. Comment vous avez fait pour lui donner? On l'a forcé et puis il l'a mangé. Hein? On l'a forcé et puis il l'a mangé. Vous l'avez forcé? Oui. Comment? Il dormait? Non. Il dormait ou pas? Non. Et la viande, c'était quelle viande? Viande de l'homme. Viande de l'homme? Oui. Et puis il l'a mangé? Oui. C'était pour quoi? Pour qu'il devienne sorcier? Oui. Donc il est devenu sorcier? Maintenant, son ventre, c'est quoi? Il y a quoi dans son ventre? Frigo. Frigo. Son ventre, c'est frigo. Emmanuel. Ça va? Vous blague. Ils ont trop blagué. Non, il sera gay. Jusqu'à dimanche, c'est fini, ça. C'est lui même qui a demandé. Amen. Quand il passe à Chiba, un soir, il a senti un mal. La seule phrase qui est sortie de sa bouche, allons à l'église. Parce qu'il sait que son problème... Et le lendemain, on a pris la route. Quand nous sommes arrivés ici, la seule phrase qui sortait de sa bouche, papa, où est tonton qui prie ici, là? Il faut lui dire, avec les délivrer. Je serai délivré avec toi. Jésus-Christ va vous délivrer. Amen. Allez vous asseoir, Dieu va vous délivrer. Vous êtes sorcier? Il y a d'autres derrière vous. Vous êtes sorcier? Toi, tu n'as rien de sorcier. C'est
toi qui... On te drague, tu vas chez les gens, tu bois leur cerveau comme des gays. Tu prends l'intelligence des gens. Comment? On te drague. Dis quoi? Il m'appelle. Il t'appelle. Hey, qu'est-ce qu'il dit? Je vais, je t'aime. Combien? Il prend en plus ton numéro. Et puis, dis quoi? On ne pose pas de test. On ne pose pas de test. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, on se donne rendez-vous. Où? Dans le quartier. Il vient te chercher? Oui. Vous allez où après? Au centre. Et pourquoi fatigué? J'ai dit, vous, quand. Dis ce que tu fais. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Il prend l'intelligence. Tu prends comment l'intelligence? Quand tu sors avec tes copains, tu prends comment l'intelligence? Je vous informe que c'est les gens qui les ont envoyés ici. Hein. Ils ont déjà détecté la sorcellerie chez eux. On les a simplement envoyés ici pour qu'on les délivre. Ce n'est pas le prophète qui allait chez eux à la maison. Heureusement, aujourd'hui, on communique. On a essayé de démystifier l'aigle de Dieu, la sorcellerie. Donc les gens savent où envoyer les sorciers. Sinon, on va les brûler. Ou bien avant, quand le sorcier te croit, on te tue aussi. Hein. Mais aujourd'hui, il peut vous amener un sorcier. Donc, déjà une victoire. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ça. Amen. Oui. Quand vous faites quoi? Tu l'embrasses toi-même. Tu l'embrasses. Et puis, tu t'embrasses. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas là, il prend son cerveau. Hein? Tu prends son intelligence. Et qu'est-ce que tu fais à l'intelligence? J'enferme ça dans un canari. Grave. C'est pour ça que vos bouches, là, c'est fait pour manger garba, foutu. Évitez de faire autre chose. Hein, ça. Tu as ta femme pour rester avec elle. Ça en prie. Reste tranquille avec ta femme. Faut pas regarder. Des girofles, des phares, sinon ils vont boire ton cerveau. Depuis ici dans le domaine de la sorcellerie, ça m'a ouvert beaucoup de yeux. C'est beaucoup de choses. Amen. Parce que sorcellerie, c'est pas que sur le visage. Avant, on pensait que c'est les vieilles personnes. Oh, le vieux, il est sorcier. Je l'ai vu, il marche, parce qu'il est sorcier. Non, hein. Les enfants. Il y a une bébé là. Une bébé sorcière. Oui, vous voulez, tu veux être délivré? Oui. De quoi? La sorcellerie. La puissance. Allez! Feu! Allez! L'esprit de la sorcellerie. Allez! Continue, les gens. Au nom de Jésus, toi viens, attache le paille. Feu! Chadel! Elle est possédée d'un esprit de la sorcellerie. C'est vrai qu'elle a parlé, mais tant qu'on ne chasse pas le démon, elle reste toujours sorcière. Dans ce flac que Jésus dit à mon nom, vous chasserez les démons. Quand le nom de Jésus-Christ est prononcé, les démons sont obligés de partir. Amen. Oui, parce que ce qui l'anime, c'est l'esprit de la sorcellerie. C'est l'esprit là qui vient dans son esprit humain qui fait d'elle sorcière. Feu! Allez! Doucement avec sa tête. Doucement. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Feu! Lâche-la. Sortez! Si! Mais pas! Si! Mais pas! Le feu sur toi! Pourquoi? Le feu sur toi. Pas. Le feu. Le feu. Comme. Feu. 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 Le feu. Consume tes œufs. Le feu consume tes œufs. Allez. Sodel. Tu vas sortir. Et tu vas la libérer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Tu vas la libérer au nom de Jésus. Allez! Le fais chez toi. Le fais chez toi. Lâche-la. 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 Allez! Fais! Pas! Maintenant même, dans le nom de Jésus. Libère-la maintenant même au nom de Jésus. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte. Sors. Esprit de la sorcellerie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Tu pars maintenant même dans le nom de Jésus. Pars. Le feu. Le feu sur toi. Déloge. Déloge. Allez. Allez. Le feu. Allez. Tu as trop pu, c'est beau. Allez. Fais sur toi. Allez. L'âme la plus puissante au monde. Puisque toutes les âmes nucléaires, c'est le nom de Jésus. Amen. Ce nom la déstabilise le royaume des ténèbres. Et invoque le règne de Dieu. Là où ce nom est invoqué, ça déstabilise le pouvoir du diable et c'est pour le règne de Dieu. Feu! Allez! Allez! Le feu chez toi. Le feu! Consume tes œufs! Allez! Allez! Sors d'elle! Sors! Sors! Lâche-la! Lâche-la! You are free, Jesus. C'est fini? Elle est libre. Elle est libre. C'est fini, tu es délivré. Allez! Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort? Ça va? C'est fini. Il y a quelqu'un, elle est délivré. Il y a quelqu'un, elle est délivré. Il y a quelqu'un, elle est délivré. Va, va t'asseoir. C'est délivré. Qu'est-ce que tu as senti bien? Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti qu'il y a une chaleur qui quittait de mes oreilles. Et puis, oui. J'ai commencé à vomir des choses bizarres. Qu'est-ce qui est sorti? J'ai remarqué quoi? J'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui quittait en moi. Une chose très bizarre qui quittait en moi. C'est l'esprit de la sorcellerie. C'est fini? C'est libéré. Allez. Allez là. Essayez où tout le monde va vous prendre. Je suis une sorcière. J'ai programmé mon frère, je vais essayer de descendre et j'ai mis blocage dans la vie de ma mère. Bon, ça tu n'as encore rien dit. Il faut aller casse départ. Comment tu te retrouves dans la sorcellerie? Quels sont les gens que tu as tués? Et puis à la fin, les gens que tu as gâchés. C'est ça. Le début, comment tu te retrouves dans la sorcellerie? C'est ce qu'on veut savoir d'abord. Voilà, parce que tu es sorcière, c'est vague. Comment tu te retrouves dedans? J'ai été initié par ma femme. En plein midi, elle a préparé son régime. Elle vient de bœuf, elle a mangé depuis ce jour-là. Tu as fait quoi? J'ai été en plein midi, elle a préparé pour me donner. Je ne sais même pas de quoi tu parles. J'ai été initié par qui? Par ma tante. Elle n'a pas de nom? Elle s'appelle Lucie. Elle a préparé. Quelle tante? Côté papa, la petite est mon papa. Oh, ouais. Maintenant, elle a préparé le riz sur le berger. Elle vient de bœuf, elle m'a donné à manger. Donc, le temps, elle est venue me prendre. Je suis partie avec elle. Maintenant, elle t'a pris et tu es partie où? Je suis partie à la confrérie de la société avec elle. Mm-hmm. Maintenant, quand je suis partie avec elle, elle m'a donné chien humain et manger. Elle m'a donné sang et pu. Mm-hmm. Et puis, quand elle m'a donné là, elle dit, ah, faut envoyer quelqu'un. Elle dit d'envoyer qui? Elle dit que ma mère est un petit. Donc, elle dit d'accord. Elle dit forcément d'envoyer ma grande de ma mère. Donc il dit au contraire, donc il y a eu un. C'était une nuit, il y a eu un petit enfant qui est perdu. Il y a eu un pupu. C'est parti, il est piqué. Donc ça fait que sa vie est enflée. Quand elle est venue, elle était malade.
Et puis la fois que tu vois, l'eau sort des gens comme ça. Toi, un homme de Dieu vient ici, Christian, et puis maintenant, soit bien même mis comme ça. Maintenant, on appelle ça pour nous faire passer et il est commencé d'abord. Maintenant, pour achever maintenant, c'est l'argent maintenant m'a donné. Et puis, il est terminé. Elle m'a donné 200. Elle m'a donné 200. Elle m'a donné 200. Elle m'a donné 200. Avant de bouffer là. Je me suis transformée. On est venu ici, parti là-bas. On a compris la série. Donc, quand je suis parti là-bas, j'ai programmé les paroles de Moïse. Puis j'ai appelé son âme. Trois fois. Et quand j'ai appelé son âme, elle est transformée en mouton. Et quand je l'ai transformé en mouton, ça n'a pas duré. Elle est morte. Et puis quand elle est morte maintenant, on dit, ah, j'ai envoyé mes camarades. J'ai envoyé une de mes camarades à l'école. J'ai pris son âme, j'ai envoyé dans la confrérie de la sorcellerie d'abord. Quand je lui dis, c'est comme ça, il fait. J'envoie ton âme d'abord. Maintenant, quand j'envoie ton âme d'abord, il te demande, donne-moi ce qu'on te met dans mon sang. Si tu me donnes, c'est pas ça, maintenant je continue. Tu as l'argent passé pour tuer. Tu passes pour tuer. Vas-y. Maintenant, et tu es plus de pas de mes camarades d'abord. Maintenant, après, maintenant, ma tante dit, c'est pas encore fini. Elle m'envoie une mission. La nuit, quand tout le monde dort, on est réveillé, il vient sur la route, sur le bouton, il n'y a pas de voiture. Ouais. Il vient sur le bouton. Il dit tous ceux qui ont passé ces voies sont pas accident. Tous ceux qui ont passé ces voies, ça fait qu'il y a des morts. Il y a un accident. Donc, on ne dit pas ça. Donc, ou bien ça fait un accident, et puis il meurt. Et puis il meurt. Et puis maintenant, quand il est fini, maintenant, il envoie le sang à la tête maintenant. Puis, elle nous partage maintenant. Buvez le sang. On boit le sang. Puis on mange la chaîne. Elle nous partage le parti maintenant. Comme elle est la plus reine, comme c'est elle la reine, elle aime le cœur. Elle mange le cœur. Puis la tête. Maintenant, nous maintenant, on n'a pas d'autre parti. On donne les bras et puis les yeux, ça nous mange. Maintenant, après maintenant, il y avait quelque chose dans la vie de mon papa. Il a faut pas me le laisser vivre sans la reine. Elle est transformée en papa. Après, maintenant, j'ai fait quelque chose de la vie de ma maman. Mais ils t'ont envoyé dans les camps de prière. Ils t'ont envoyé dans les camps de prière. Mais ma vie, ça, c'est moi qui peux assouplir les hommes de Dieu. Il dit, moi, il assouplit les gens, quoi. Ce n'est pas qu'ils aient une vie de prière. Et puis, pour que tu assouplis, la personne, il veut t'attaquer pour frapper dans ta vie. Ce qui est fait. Quand toi, tu es venu, c'est ton entrée. C'était une nuit, il priait à la maison là-bas. Quand il priait à la maison là-bas, le lendemain, il a dit à maman qu'il a fait songe. Donc c'est moi qui suis venu, qui me fait le mot. Et puis quand je suis venu là. Branchez ça ou bien? Quand je suis venu là, il a attaqué. Et puis je voulais la subir, pour ne pas qu'il ait une vie de prière. Je voulais la subir, pour ne pas qu'il ait une vie de prière. Et ça, après maintenant, ça a duré un peu plus. Et puis je dis à toi, ah, un jour, tu vas voir les prières là, c'est moi qui viens t'attaquer, tu m'as sorti. Je lui ai dit ça. Vous voyez que souvent c'est des risques qu'on prend pour prier pour vous. Donc par moment, il faut savoir nous parler. Soyez un peu gentil à nous. Parce que c'est vrai que vous voulez qu'on vous aide. Mais en même temps aussi, tous les démons là nous attaquent. Oui, parce que le démon il sait que tu es déjà son mouton, le sorcier. Donc celui qui va défaire le mouton là, c'est lui que le démon maintenant attaque, le sorcier. Quand vous venez ici, tous les esprits là, commence à mettre à l'œuvre pour attaquer. Voilà, donc par moment, nous on prend aussi, puisqu'on le sait. Voilà, on ne peut pas aussi faire des omelettes sans casser les œufs. Voilà, donc on sait comment, puisque c'est Dieu qui nous a appelés, tout ça. Donc par moment, soyez beaucoup patients. Je n'ai pas oublié d'être toujours là. Quand je vois un danger, moi aussi je prie. Si je n'ai pas une vie de prière, c'est grave. Tu vois, allons-y. Maintenant, ma tante dit forcer de garder voyage de maman, de prendre passeport de maman. Donc, elle dépend de maman, parce qu'elle a un bon voyage, elle dépend de maman. Donc, un jour, étant en cinquième, en train de rentrer en cinquième, en 2014, elle dit, maman, la chaussure de l'école sont coupées, elle t'a compté 1000 fois, pas de payer tes chaussures. Donc, je suis retournée pendant la maman en 2001, elle avait sa 900, 100 francs qu'elle est restée là. Mais l'argent même de ton papa, tu as gâté. Tu ne parles pas encore de ça? Tu as parlé de moutons. Sauf que tu as pas maman, il commençait à péter moutons. Non, tu avais commencé déjà par lui. Il a dit, ah, il a pris son impact, mais il n'a pas pris ce signe. Oui, non, mais il faut finir avec lui avant d'attaquer pour maman. Quand tu finis pour quelqu'un, dis tout ce que tu as fait. Lui, comment tu as gâté son argent?
exempter son argent. Peut-être un jour, on a donné l'argent, porté à des armées, au CM2. Et c'est pas au CM2, je fais en 6e. Il m'a donné mon déjeuner. Il n'y a pas de plus quand la nuit, puis c'est parti, elle a compris la similité là-bas. Il a déposé l'argent. Puis quand il a déposé l'argent, depuis là, quand il gagne l'argent, ça ne va même pas faire une semaine de sa mère, puis ça finit. Même s'il gagne 1 000 €, il ne peut pas réaliser quelque chose de ça. Et puis ça se rend compte du fond. Puis, c'est ça, il est fait. Il a fait le test sur qu'il n'a plus l'argent, c'est ça? Ça, il est fait. Comment pour déjeuner? Tu vois quel argent? Est-ce que vous pensez un peu à tout ça? Et après, le dégât que je fais, le dégât. Est-ce que ta tante là, est-ce qu'elle te donne de l'argent? Vous avez peur de mourir. N'est-ce pas? Tu as peur de mourir. Prends le micro, parle-moi. Tu as peur de mourir. Bon, elle te force par rapport à la vie de ton père. Tu vois, on meurt que pour la famille. Pourquoi tu gardes ce silence et tu n'en parles pas? Et tu arrives jusqu'à détruire ton père, qui n'a rien à voir avec ça. Le pauvre, il se bat. Ta maman, elle se bat. Les gens se battent pour vous, les parents. Et toi, vous, toi, tu. Je veux savoir pourquoi il n'y a pas ce remords-là. Il n'y a pas cet esprit qui t'amène à réfléchir d'après. Si je fais, est-ce que c'est bon ou pas? Il faut que tu m'expliques. Parce que nous, si on veut savoir, on veut comprendre les choses. Papa, quand tu es là-bas, là, tu n'as pas poussé. Mais c'est matin que tu fais ça, tu regrettes. Bon, quand tu viens matin, tu regrettes là. Pourquoi tu n'en parles pas? Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu regrettes, quand tu es allé, c'est ce qu'on appelle l'état de lucidité. Tu es maintenant lucide. C'est-à-dire, ça va. Pourquoi tu n'en parles pas? Explique-moi. On peut comprendre si tu es dans là-bas, mais maintenant que tu es lucide, ça va, tu regrettes. Faut en parler. Pourquoi tu ne le fais pas? Attends. Moi, je ne te crois pas qu'un parent puisse s'énerver pour lui dire « Voici ce qu'on m'a imposé de te faire. » Au contraire, il sera fier de toi. Arrête ça, arrête ce que tu as entendu dire. Bon, c'est un secret et ton père. Ton père souffre. On ne remplace pas maman, on ne remplace pas papa. Lui, il meurt là. Qui va le remplacer? Hein? Mais si tu as pensé à tout ça, parce que c'est ça. Ici, c'est pas non, tu es sorti, c'est pas l'eau. Mais tu n'as pas de responsabilité dans le dégât. Tu n'as pas de responsabilité. Tu vas programmer ton père. Il est là, tu sais que tu l'as programmé. Il va mourir le 27. Tu le sais. Que c'est un cadavre ambulant. Excusez-moi pour l'expression, mais ça choque. Hein. Voilà, excusez-moi pour l'expression. Même si ça choque un peu, mais un cadavre ambulant. Tu le vois, et puis toi, voilà. Vous savez, souvent peut-être que les gens, quand ils quittent ici, là, je suis choqué jusqu'à moi-même. Là. Quand ils finissent le raveur, je suis choqué. Hein. Parce que souvent, quand il y a des images qui reviennent dans ma tête, je dis, mais c'est quelle méchanceté extrême. De vivre avec quelqu'un, on sait qu'on a déjà tué, et puis bon, on vit. Mais le cœur des sorciers, c'est grave. Et puis d'ailleurs, ton père, ça dit, attends. Il t'a donné la vie, qui est respectée. Mais attends, la moindre chose, il te dit, ah mon papa, tu le protèges. Lui, te protège. Ils font tout. Pourquoi on arrive là, c'est à cause de ton papa, tes parents. Qu'est-ce que mais il t'envoie, tu sais bien que tu as fait des choses sur lui. Hein? Et puis l'entend t'envoie dans un centre de délivrance. Si le prophète que je suis ne voyait pas, ça allait s'étouffer. Et puis après, le dégât est venu. Parce qu'on ne peut pas. Il y a la déprogrammation à faire. C'est comme ça. La vie est faite de programmation, de déprogrammation. Quand vous voulez voyager, le voyage est déjà programmé. Ça ne s'improvise pas. On sait combien de personnes doivent prendre le vol Air France ce soir pour arriver à Paris et tout ça. C'est une question de programmation et de programmation. Quelque chose a été programmé. Si on ne déprogramme pas, la mort arrive. Absolument. Tu comprends? Quelque chose, ça va arriver en décembre. C'était déjà programmé. Ça va venir, vous allez mettre les mises en scène d'accident, le gars va mourir. Maintenant, toi, tu sais. Hein? Il a fallu que je te dise ça hier. Parce que je voyais ça. Et puis toi, ah oui, mais toi tu penses que quand tu disais oui là, c'est pour ça que j'ai stoppé. Parce que j'ai eu un coup dans le cœur. Je me suis dit, mais attends, tu es méchante. Hein? Pendant que toi tu parles, j'ai une autre manière de te voir. C'est vrai qu'il y a mon cœur de t'aider, mais je vois c'est la méchanceté.
dans ta manière de faire. Ton propre père. La vie n'a pas de prix. On ne meurt pas pour revenir. C'est Jésus qui a fait ça. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Je sais ce qu'on appelle père d'un père, père d'une mère. Je sais ça. Moi. Vous venez me demander des grands témoignages. Personne ne peut repenser, remplacer ton papa. Personne. Ils vont venir parler, mais ils ne pourront pas remplacer ton père. Parce qu'ils ont d'autres responsabilités à eux aussi. Ouais. Quand on perd un père, c'est fini. Hein? Je te dis la vérité. Les hommes vont venir babader, babader, ils ne pourront plus agir comme ton père. Surtout sachant que toi-même t'es sorti, c'est fini. Qui va te m'envoyer chez lui à la maison? Tu vas penser à tout ça. Parce qu'un homme s'assoit, il réfléchit. Parce que quand tu n'as plus cette capacité de réfléchir, à l'après, demain, tout ça, tu es comme un mouton. Parce qu'on vient poser même un acte, on réfléchit. Hein? Non, on parle. Vous êtes là en train de maltraiter les gens, les torturer, vous torturez les gens, vous les torturez. Donc tu as gâté son argent, maintenant après ça tu l'as transformé en quoi? Mouton. Mouton. C'est toi-même tu mets ton propre enfant, moi l'enfant maintenant qui te mange. Bonne sauce grecque, il y a jumblé dedans. C'est grave, hein? Le danger n'est pas loin, c'est juste à côté. Si tu ne maîtrises pas ton environnement, tu es dangereux. Vous devez savoir tout ça. C'est ça que moi je donne les cours, les enseignements, c'est ça. Votre ennemi, là, ils ne viennent pas de loin, ils sont juste à côté. Vous pouvez naître de même père, même mère, même sang. Mais celui qui est même sang, il va être jaloux de ta bénédiction. C'est ça. Mais c'est biblique. C'est Caïn qui a tué Abel. C'est Caïn qui a tué Abel. Tu le vois, tu l'envoies parce qu'il est frère, tu penses que vous êtes la même chose. Oh, lui, il est devenu Caïn. Il était jalouse. Il veut gâter ton argent. Tu lui donnes l'argent, va acheter une maison, puis tu vas acheter un terrain. Il veut gâter ça. Et quand tu te plais, les gens disent non, mais ton frère a fait quoi? Hein? Toi-même, la cause de ça, tu cries, cries. Mais tu cries, cries, là, mon argent, je souffre dans la neige. Je souffre pour avoir ça. C'est pour ça qu'il y a eu le discernement. Ayez le discernement. Il faut que Dieu vous donne ce don. Amen. La jalousie d'abord vient par envie et la sorcellerie. L'envie, la jalousie, la trahison. C'est ça, tout ça, la sorcellerie. Et comment tu commences à faire sortir l'argent? Comment c'est lui donc? Il donne l'argent seulement. Mais parce qu'il travaille. Attends, c'est ce qu'il dit aux gens. Mais pas passer toute une vie en train de s'occuper de toi. Attends, comment quelqu'un, tu penses que c'est ton frère ou ta soeur qui doit s'occuper de toi? Mais il travaille pas pour toi. Et puis c'est dans un danger. Quand vous passez toute votre vie en train de s'occuper des autres et vos propres familles. L'âme, la femme et le mari, les enfants d'abord. Les autres viennent après, on les soutient. Mais ce n'est pas une prise en charge, je suis désolé. Je suis désolé. C'est ce qui est la pure vérité, je suis désolé. On peut vous aider à entreprendre quelque chose. Si tu as gâté ça, va prier, on te délivrer. L'argent va rester dans ta main. Tu as aidé plus de 4 fois, 3 fois les gens, et puis après ça, eux ils veulent toujours. Ils savent quand le dollar est monté. Ah, aujourd'hui, la dollar est montée, hein. C'est devenu plus de 600. Tu peux envoyer. Et les gens comme ça, ils sont dans la famille, ils sont là. Et les gens doivent travailler, et eux, c'est eux qui doivent vivre de ça. Attendez, c'est de la pure sorcellerie. Dieu nous a tous créés. On nous a tous créés, mis au monde. Chacun doit se battre. C'est pas moi seul, je vais me battre pour vous. Je suis désolé. Comme ça, devenir esclave de la famille. Ah non. Après, c'est les mêmes gens là qui vont se moquer de vous. C'est ça. On dit parisien moisi, tu choques pour rien. Faut quitter les bancs. Tu viens. Bonsoir. Est-ce que. Il va aussi. C'est parce qu'on mange ici. Ici, on ne mange pas ça. Le jour où vous n'aurez plus l'argent, qui va vous dire bonjour? Vous-même. Est-ce que vous pensez après ça? Est-ce que vous pensez à ça? Investissez. Occupez-vous de vos familles. Au moins, ils seront reconnaissants. Quand la femme commence à parler, on dit, tu n'aimes pas ma famille. Quand monsieur commence à parler, non, tu n'aimes pas mes parents. Mais c'est la vérité, vous mettez ensemble pour construire une vie. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à son mari, et à sa femme plutôt.
et formera une seule chair. Vous voyez, de la même manière. Amen. Amen. Je n'empêche pas les gens d'aider la famille. Je n'aime pas les prises en charge. On doit mettre l'enfant à l'école, c'est vous. On doit faire ça, c'est vous. On doit faire ça. Ben lui qui a mis l'enfant à l'école, c'est rien. Ce que ça a produit là. Lui ne peut pas aller mettre l'enfant à l'école. Amen. Amen. Alléluia. Oui, allons-y. Non, avec beaucoup d'amour, douceur, on va aider les gens. Il y a programmé aussi mes camarades de classe qui étaient 5 et même 2. Il y a programmé aussi. Tu reconnais avoir tué plus de 200 personnes? Oui. Ça, tu reconnais ça au moins? Je reconnais. Tu fais quoi d'autre encore? Et puis, je programme mes camarades aussi. Mais quelle est ta spécialité en matière de sorcellerie, c'est quoi? Tu comprends bien français? Ce qu'il a dit là, tu as compris? Ta spécialité, c'est quoi? Comment? Non, c'est le regard. Quand tu regardes quelqu'un, tu peux tirer sa chance et gâter. Toi, ça se donne là. Mais pourquoi tu dis pas ça? Comme la puissance de Dieu. Feu. Le feu consume tes œuvres. Le feu, le feu, le peigne, le feu du Saint-Esprit consume tes œuvres, consume tes œuvres. Le feu, allez, mamie, elle sera délivrée. Regarde comment la maman la regarde. Elle sera délivrée. Amen. Vous allez retrouver votre fille. Hein? Oui, je sais. Tout le quartier sera délivré. On va libérer le quartier aujourd'hui. On va libérer tout le quartier. Feu! Allez! Le feu consume des heures dans ce corps. Pas! Je détruis tes œuvres et je détruis le pouvoir du dragon que tu as dans le nom de Jésus. Lâche-la. Allez! Tu pars. Tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Quitte sa vie. Tu m'attends, c'est un ordre. Quitte sa vie. Voilà, quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Allez. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Allez, quitte sa vie. Allez, quitte. Quitte sa vie. Allez. Allez. Quitte sa vie. Dans le nom de Jésus. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Feu. Allez. Sauvez le feu. Le feu. Le feu. Allez. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Allez. Allez, quitte sa vie. Puissance de la sorcellerie. Tu quittes sa vie. Maintenant. Dans le nom de Jésus. De Nazareth. Chandelle! Chandelle! Voilà, va-t'en. 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 Vous devez même venir l'inscrire à Digo ici. On va faire une. Après, on va en parler.
Oui, c'est mieux. On s'en va mieux l'aider. Mais, non, après, on va. Ok, d'accord, ok. Il dit même. Ok. On va l'aider. Ok. Et si toutes les conditions sont réunies, vous gardez les enfants, tout ça. On a tous les trucs. Oui, non. Feu! Et j'irai chez vous pour prier pour vous aussi. Amen. Voilà, c'est important. Feu! Lâche-la. Tu quittes sa vie maintenant même, au nom de Jésus. Tu quittes sa vie dans le nom de Jésus. Maintenant, je t'envoie dans l'océan au nom de Jésus. Tu quittes aujourd'hui définitivement sa vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libère sa vie. Lâche-la. Tu m'entends? Tu la libères au nom de Jésus. Elle est libérée au nom de Jésus. Amen. Est capable de chasser toutes sortes de démons. Amen. C'est tout. On n'a pas besoin de faire des années, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le nom de Jésus suffit. Ce nom-là suffit de chasser un démon qui est resté pendant des décennies dans un corps. Amen. J'appelle les parents de Nez, s'il vous plaît. Non, dites-le. Voilà, dites-le. Ces différents échecs, tout ce qui a été dit comme un élément de victoire sur les œuvres de la sorcellerie. Qui est la paix entre ses parents et elle, désormais, au nom de Jésus-Christ, nous te prions de restaurer cette famille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai détruit maintenant et j'annule toute forme de programmation sur leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, que la mort soit déprogrammée dans le nom de Jésus-Christ. Je libère tes finances au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame la défaite de la sorcellerie. Je proclame vaincu le royaume de la sorcellerie sur ta vie. Je te positionne, te repositionne dans le nom de Jésus-Christ, dans la prospérité. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est vie. Il dit Jésus
le chemin, la vérité, la vie. Christ est dans la vie et maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci pour la grâce qui abonde encore. Amen. Merci de la bénir. Merci de la restaurer. Au nom de Jésus. Amen. Donne-moi les clinesses. C'est ma grand-mère qui m'a dit, c'est la maman de ma mère. Tu étais dans le ventre? Oui. Et puis tu as la sorcellerie? Oui. Ok. On y va. Maintenant que je suis née, elle a dit de tuer ma mère. Maintenant, avant de tuer ma maman, elle était à la maison. Maintenant, ma grand-mère, elle est venue chez nous. Qui t'a dit de tuer ta maman? Ma grand-mère, la mère de ma mère. La mère de ta maman? Mmh. Ok. Elle m'a dit de tuer ma maman. Maintenant, une nuit, ma maman dormait. Maintenant, moi, je suis rentrée dans la maison. Nous, tous, on dormait. Maintenant, je me suis réveillée. Maintenant, quand je me suis réveillée, maintenant, je me suis transformée. Un hibou. Un hibou. Oui. Et puis maintenant que je me suis transformé en hibou, je suis parti de l'autre camp de la compagnie. Ma grand-mère m'a dit pourquoi tu n'as pas envoyé ta main. Et puis je suis revenu encore. Et puis maintenant j'ai pris un sérin. J'ai piqué ma main. Tu as pris la sérin? Et puis j'ai piqué ma main. Tu as piqué ta maman avec ça? Elle a eu cancer des seins. Et ta mère a eu cancer des seins? Et puis maintenant, elle n'a pas voulu les hôpitaux. Les gens ont dit que c'est cancer des seins. Maintenant, où elle allait mourir? Oh, c'est toi qui avais fait ça? Oui. Où elle allait mourir maintenant? Mais où elle est maintenant, je suis venue. Maintenant, je. S'il vous plaît. Je suis venue encore. Et puis maintenant, elle dormait encore. Puis maintenant, elle souffre. Et puis maintenant, moi, je suis venue. J'ai pris son âme. Puis c'est parti dans la transformation pour lui payer le manger. Maintenant, elle est décédée le 31 décembre 2009. Maintenant, pour maman, maintenant, il y a une tante qui est là. Maintenant, elle s'appelle la maman de ma camarade. Il a mis un chose, un esprit de fumée, cigarette, d'eau sur. Maintenant, quand il y a mis. Et tu as amené la femme à fumer, la cigarette, la drogue. Comment tu t'es arrangé? Une nuit, elle dormait, elle m'a salué. Maintenant, quand elle m'a salué, en même temps, il y a regardé dans ses yeux. Et puis maintenant, quand il y a regardé dans ses yeux, elle n'a pas remarqué ça. C'est moi qui ai remarqué. Il y a regardé dans ses yeux. Et puis maintenant. Attends, c'est la nuit ou dans la journée? Dans la journée. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle passait, elle m'a dit, elle m'a salué. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a salué, elle a dit bonjour, je lui ai dit bonjour. Maintenant, en partant, maintenant, il y a rien dans ses yeux. Maintenant, elle l'a tourné, maintenant, il y a rien par derrière sa tête. Maintenant, il. Au niveau de sa nuque ici. Mm-hmm. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, quand il a regardé, maintenant, et puis il a fait les incantations. Tu as dit quoi? Tu as fait les incantations. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu as dit? Il a dit, cette femme, elle va fumer la cigarette, elle va prendre la drogue. Mm-hmm. Maintenant, depuis ce jour, elle a dit qu'elle fumait la cigarette, elle prenait la drogue. Maintenant, il dit, ah, il va la tuer maintenant. Maintenant, quand il va la tuer, je suis rentré chez eux, je me suis transformé en chat. Et puis, quand je suis rentré chez eux, maintenant, je l'ai pris, puis c'est parti, elle m'a mangé. Maintenant, il y a la petite soeur de ma camarade, bien chaud. Elle avait 6 mois, elle faisait 4 ans. Non, donc elle est morte, la dame. Mm-hmm. Ta maman est morte, et puis tu as tué la dame, la voisine. Mm-hmm. C'est ça? C'est ça? Oui. Ok. Maintenant, ma camarade, sa petite soeur, elle avait 6 mois. Et puis, elle a tué. Il y a plus la petite soeur. Et puis maintenant, il y a une petite fille, encore, elle était dans l'école, elle a 3 mois, elle a tué. Il y a un tonton, il s'appelle Jean-Marc, elle a tué. Et puis, mes camarades de classe, elle les a initiés. Tu as combien de personnes en général que tu as tué? Combien de personnes, tu te souviens? Oui. Les personnes qui ont tué sont 17. 17 personnes. Donc tu te souviens que tu as tué 17 personnes. Ils ont cette capacité puisque en fonction de ceux, les gens qu'ils tuent, ils ont une promotion. Ils savent qui ils vont tuer. Donc, ils savent, ils connaissent bien le nom de la victime. Donc au fur et à mesure, ils ont une mémoire. Et c'est là-bas, c'est gardé. C'est en fonction du nombre de gens que tu tues que tu as une promotion en matière de sorcellerie. On y va? Maintenant, il y a mis mes 5 camarades de classe. Tu leur as donné la sorcellerie. Comment tu es arrivé à initier? Il y a une de mes camarades. Elle s'appelle, c'est une de mes camarades, mais c'est ma meilleure amie. Donc, un jour, on était au CMB, on est parti jouer à l'examen. Maintenant, on est arrivé, quand on est parti à l'examen, on dit, ah, c'est pour. Allons-y, chaud, on a mangé à accepter. Maintenant, on a cotisé pour payer le gars, puis nous, on a mangé. Maintenant, en mangeant, on a mangé les raids, et puis elle t'a sommé la nourriture. Et puis la nourriture, on a cherché. Et puis, avec une de mes voisines de 6e, la classe de 6e, deux de mes voisines de devant, puis de derrière. Deux de mes voisines de devant, puis de derrière. Mes voisines de devant, puis de derrière. Un jour, on est parti à l'EPS. Maintenant, on a fini de faire l'EPS aussi, on a cotisé, on a mangé. Maintenant, mais les deux autres là, elles sont dans notre couple, puis elles les initient. C'est tout ce que tu as fait? Maintenant,
Au niveau des mamans, le jour où elle se mariait, mon père a pris sa photo. Ma grand-mère dit qu'il faut bien se marier. Maintenant, ils ont fait le mariage rapidement. Maintenant, il a pris sa photo. Et puis, j'ai mis aiguille. Et puis, c'est parti, mon père de 4 ans. Il ne fallait pas qu'elle passe la photo. Oui, ta maman. Maman est morte, mais c'est ma deuxième maman qu'elle a. Oui, c'est la photo de qui tu as pris? Il a pris sa photo. Qui? La photo de maman. Oui, elle est où? Oui, va les laisser. Je vois. C'est elle sa photo. Et tu as pris sa photo, tu as fait quoi? J'ai mis un but dedans. Tu as mis un but? C'était pourquoi? Ce n'est pas qu'elle passe l'enfant. À chaque fois, elle a le rond de forme. Elle a des robes douloureuses. Quand elle prend un brossage à sa femme. Hein? Quand elle prend un brossage à sa femme. Oui. Maintenant, au niveau de mon père, ma grand-mère dit que c'est le nom de mon père. Donc, c'était deux personnes sur le père? Le pauvre. Oui, oui. Je suis rentré à la maison. Puis je me suis transformé. Je me suis rentré sur la gauche de mon père. Et puis il y a pris 15 000 francs. Maintenant, 15 000 francs, il a envoyé ça dans la compagnie. Maintenant, quand il a envoyé ma frère, je viens à ma grand-mère. Elle a mis ça dans l'eau, dans le canari, à l'eau droite devant la main. Et donc, quand mon père gagne l'argent, ça ne va pas s'assurer. Est-ce que tu regrettes au moins l'acte que tu as posé? Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Hein? Est-ce que tu veux marcher avec Jésus? Oui, je vais marcher avec. Souvent les gens disent que ce que vous dites là c'est faux. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui t'écoutent? Je peux leur dire que la sorcellerie est bien et bien vraie, que ça existe. Hein? Et que ce que tu viens de dire c'est vrai ou faux? C'est vrai. Est-ce que j'ai fait depuis que je suis sorcière, ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que tu veux? Je veux être délivré. De quoi? De la sorcellerie. Et je veux aussi que les finances vont pouvoir revenir, que maman puisse faire un point aussi. La puissance de Dieu te délivre. Jésus. Jésus, t'as chiné le paillet. Jésus te délivre. Comme feu. Tu quittes sa vie. Dans le nom de Jésus. Lâche-la. Esprit de la sorcellerie. Lâche-la. Je vais la mener là. De la sorcellerie. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Allez! Allez! Feu! Consume tes œuvres. Feu de l'Esprit de Dieu. Consume tes œuvres. Allez! Allez! Sors d'elle. Sors d'elle. Sondez. Au nom de Jésus, puissance de la sorcellerie, libère-la maintenant là, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi, tu veux être délivré maintenant? Tu veux être délivré? Dans ton cœur là, ça t'est blagué quoi? T'as les moyens? Qui tu voulais faire hier? Si tu t'as amusé. Tu allais saigner du nez de la bouche. Elle voulait se transformer en chat. Et, en fait, le diable va te blaguer. Parce qu'elle est combat, tu ne peux pas gagner. Toute âme forgée contre moi, toute âme. C'est une promesse de Dieu. Faites-y ma vie. Faites-y la vie de tous les croyants. Voyons Dieu. Le diable ne peut rien contre eux. Amen. Allez demander à Emmanuel, il va vous parler. Il a mangé choubouya empoisonné, son ventre s'enflait. Ben, les gens ne mangent pas. Vous mangez tout, mais les gens, quand vous voulez manger, vous allez avoir problème. Parce qu'ils ont un propriétaire. Amen. Ton propriétaire, c'est Dieu. Amen. Celui qui aura fait à toi, la main de Dieu va le foudroyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je menace tous les sorciers de votre vie, tous ceux qui vous en veulent, que la main de Dieu le foudroie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
qui soit foudré, qui soit foudré au nom de Jésus. C'est pas tout le monde qu'on mange. Je suis désolé. Vous voulez manger, allez voir Boukari. Il fait la du bon des peu au marché. Vous allez acheter Boukari, les bœufs de Boukari, vous allez manger. Boukari, le boucher, le blessé au nez. Il va vous servir. 2 kilos, 3 kilos, vous voulez manger. Mais l'homme n'est pas mangeable. Je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Tous ceux qui ont vu la bonne vie, qui rencontrent la main de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, celui qui veut me manger, qui se foudraie au puissant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je te programme l'accident, je te programme la mort, je te programme la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu te bénisse. Le feu. Allez. Lâche-toi. Celui qui défend un sorcier, il est un avocat du diable. Pourquoi vous traitez les gens comme ça? On les délivre. Avant, les blancs les brûlaient. La chasse aux sorcières, il y avait le bûcher. Quand tu finis de faire les aveux comme tu as fait la prédique, on te brûle, on met ta main en l'air et puis le feu commence du pied jusqu'à la tête. Ils ont tué des milliers de sorciers. Nous, on ne les traite pas d'une autre manière. On les amène à avouer leurs crimes, leurs forfaits et qu'on les délivre. Ça a beaucoup d'amour d'ailleurs. Donc si vous les défendez, c'est que vous-même êtes sorcier, avocat du diable. Le sujet de la sorcellerie, c'est tellement sérieux. Les gens, ils tuent. Alors, écoutez, ils tuent les gens. Il faut qu'on les laisse dans la nature en train de faire des dégâts dans la vie des gens. Ils vont dégrader la vie des gens, tuer les gens, empêcher d'autres personnes de voyager, des personnes de se marier. Attends. Sors. Lâche-la. Tu sors d'elle maintenant. Lâche-la. Tu pars maintenant. Dans le nom de Jésus. Je prie que vous vivez. Ceux qui parlent trop, non, les sorciers, est-ce qu'ils existent? Vous ferez un jour une expérience avec un sorcier. Vous allez rencontrer le plus grand sorcier de votre famille. Comme ça, on ne va même pas vous parler. Vous allez chercher une église, vous faites délivrer. Amen. Celui-là, on ne parle pas. Quand tu n'as pas été victime, tu parles. Le jour, ça va te toucher. Tes moyens, tu vas rendre là. Tu vas demander, mais oui, Marichal de la brigade, Bori d'Abidjan ici. Chacun a son témoignage. Vous pensez qu'ils vont se lever un matin comme ça pour dire sorcellerie? On a vécu ça. On a vécu ça direct dans la famille. Bah. Et c'est ce que moi je dis. C'est la sorcellerie. J'ai écouté un frère hier, il me dit, il pensait que c'est au Sénégal, son mari est sorcier. Hein, qui est associé en Côte d'Ivoire? Je dis, ils sont remplis ici, mais. Attends, il y a là-bas aussi. Il y a là-bas aussi. Il dit, bon, on arrive bientôt. Amen. Au Sénégal. On va mater la sorcellerie. Amen. On va le mater. La puissance de Dieu. Ce dont l'Africain attend, c'est la protection de Dieu. Si on est intelligent, on a des biens, mais les sorciers sont gâtés. Je cause avec les gens en Italie. Les blancs, pourquoi les gens voyagent? J'ai dit, il y a deux raisons. Notre argent là, c'est pas bon. Maintenant, la deuxième raison, il y a la sorcellerie. Il dit quoi? Il a pu expliquer. Il a pris son argent, il met dans l'affaire sorcier, gâte. Donc, il préfère aller voyager, se cacher, et puis vivre sa vie là-bas. C'est pour ça que les gens sont bons. Sinon, c'est de l'argent, il met dedans 3 millions, 4 millions dans les voyages. C'est pas ils sont là qu'ils sont bêtes. Mais ils ont fait des choses, ils ont compris que c'est la sorcellerie. Et pour eux, c'est un moyen. Mais vous savez pas qu'ils ont fini ça? Ils ont fini ça. Ils ont un radar mystique sur vous. Vous pouvez aller. C'est 15 minutes pour atteindre France, l'Italie, l'Europe. 15 minutes. Ils arrivent là-bas pendant que tu dis, ah, je suis arrivé, je suis caché, il ne va plus me voir. Il faut commencer. Il va te manger. Fais! Lâche-la. Tu la libères dans le nom de Jésus. Nous sommes en fin d'année, bientôt la fin d'année, que Dieu expose tous vos sorciers. Amen. Et Dieu nous a fait capacité de les connaître et de prier contre eux. Au nom de Jésus.
Que l'épée de l'Éternel se lève contre tous les sorciers de votre famille. Au nom de Jésus-Christ. Et vous traversez l'année 2017. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les plans échouent au nom de Jésus. Et que vos projets aboutissent dans le nom de Jésus. C'est elle qui annule nos projets. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus te libère. Maintenant. Soulevez-la. Maintenant. Maintenant. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Jésus te libère. Jésus te libère. Sors de terre. L'esprit de la sorcellerie. Vous êtes exposé chaque jour, il y a toujours la confrérie qui veut, mais quand Dieu t'a appelé, il t'a vraiment appelé. Ce travail, il faut que Dieu t'appelle. Amen. Tu veux faire comme vous faites grâce au. Il y a longtemps avant de Dieu. La puissance de Dieu. Jésus. Jésus. Ici, là, c'est le terminé des sorciers. Amen. Il n'a qu'un grand mangeur d'âme. Il n'a qu'à être le plus grand danseur de masse sorcier. Tous les danseurs de masse sont des sorciers. Amen. Aujourd'hui même. Tu veux marier une femme pour voir si elle est délivrée. Amen. Ce n'est pas délivré, elle va te manger la nuit. Pendant que tu dors, tu vois comme abouti, tu mets dans son gré. Tu rends Oh, la femme a bien fait sauce graine. Eh, foutu banane bien mûre. Tu te lèves, matin, tu es déjà mangé. Ce qui t'a appelé chérie, elle t'a vu en boutique. Elle est une belle. C'est fini. Elle est délivrée. Est-ce qu'on peut être la même chose? Elle est délivrée. Je vais trois sorciers ici. Allez, viens. D'abord, toi au village, il y a 7 ans. Je suis passé à l'école. Union Domaine. Tu es sorcière? Union Domaine et ma grand-mère, où elle habitait, c'était la famille qui était venue. Ils ont tourné la maison. Elle m'a dit de sortir de la maison, que la maison est tombée. Tout le monde, j'ai commencé à crier. J'ai commencé à crier, j'ai dit non, et j'ai envoyé maman. Je lui ai expliqué. Maman, il ne dormait qu'à rien. Ça, elle m'a conservé. Je vais conserver
elle a écouté ça, les voisins. Elle a parlé. Tout ça, un jour, mon tonton il travaille à Divo et il est venu nous chercher. Il est à Divo. Et ma grand-mère, elle est venue. Quand elle est venue, elle m'a appelé pour lui dire sort, allons-y. Et je suis sortie, et puis on est parti. On est venu au village. Quand elle est venue, elle m'a dit tout ce qu'elle va te dire, il faut faire. Que si tu as fait ça, tu as gagné le bon choix. Tu as des nuits, tu as vu, tu as dit oui. Et puis elle dit ah, elle a préparé d'abord à manger. Quand elle finit de manger le lendemain, elle est venue me chercher. Quand elle a cherché, elle est partie. Elle est allée. Tu cherchais pour aller où? Elle est venue pour aller au village. En sorcellerie ou vous avez? En sorcellerie. Elle est venue chercher. Quand elle est partie, elle m'a dit ah, d'aller tuer mon papa. Je suis partie, elle m'a mis la machette, je suis partie. Puis c'est allé pour mon père, c'est allé le tuer. Donc on a cru, on est venu, on l'a mangé. On l'a mangé la deuxième fois, elle est allée tuer mon père. Il est mort. Mmh. Papa est mort. Elle est allée tuer mon tonton. Je n'ai pas mon papa, je suis partie. On m'a mis la machette, elle est allée. La deuxième fois, c'est ton tonton. Mmh. Mm-hmm. Il est parti, je vais plus le tuer, je suis parti, il a pris la machette, il a tapé, et je me suis retourné. Je me suis retourné là-bas. Et la personne qui t'a tué, qui dit, n'a pas pu tuer la personne, qui vit encore. Ça, on est demain, on a déménagé où on était. On s'est venu à côté de la maison, j'étais là-bas. Et puis, c'est lui, maman voulait accoucher. Elle voulait accoucher, et moi, c'est comme dans la maison où je suis, je ne sais pas, on paye, je sors. Et puis elle m'a oublié qu'elle venait et puis dit ah, toi tu ne veux pas t'asseoir, toi tu vas te dormir. Ça va-tu dormir? Et que pour pas dire qu'il s'était allé te coucher, et qu'il va dormir, et qu'il couvre dans la maison. Tu faisais quoi en ce moment? Tu tournais là, tu faisais quoi? Je faisais rien, tu n'étais pas en paix. Tu n'étais pas en paix pour quoi? Ta maman est en train d'accoucher, tu as dit? Elle est enceinte. Oui. Hein? Maintenant tu tournais en rond là pour quoi? Gâter l'enfant. Ah, il faut expliquer. Donc tu voulais tuer l'enfant. Et puis les hommes de lui disent, ah, toi, ça allait te coucher. Ils sont venus me coucher le lendemain. Mon papa est venu. Quand il est venu, c'est son agent qui prend et qui met sur le tabouret. Moi, je prends, elle est allée pour la veine, on voit le bébé, et je prends et puis je vais lui donner. Quand lui donne, quand c'est au travail, il souffre, il ne fait rien. Et c'est quoi il fait. Et on est venu à Belle du Bleu ici. Comme maman fait à Tipi, ça ne marche pas. C'est quoi il fait. Il chie dans son foyer. Il garde tout. Fais quoi? Il chie dans son foyer, il garde tout. Où est-ce fait à Tipi là? Gounini. Il chie dans son foyer, fait. On appelle ça Gounini. Et un jour aussi. Caca de sorcier. Ma grand-mère, côté tonton. Elle venait s'appeler Yol. Elle venait chercher mes petits soeurs aussi. En vrai, elle prenait pour aller les deux. Elle prend pour aller pour faire la sorcellerie. On arrive là-bas, elle est mort. Tu as tué combien de personnes? J'ai tué une personne. La deuxième personne, qui ne pouvait pas tuer. Et tu as gâté combien de personnes? Deux personnes. Ton père? Et ma mère. Et tu as initié combien de personnes? Tu as donné sorcellerie à combien de personnes? Trois personnes. Trois personnes. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je veux la délivrance. Tu veux continuer? Non. Tu veux la délivrance? Pourquoi tu veux être délivré? Je veux être délivré. Je veux être délivré parce que les parents souffrent. Ah! C'est parce qu'il souffre. Ou bien c'est parce que tu vois que c'est pas bon. C'est parce que c'est pas bon ou c'est parce que les parents souffrent? C'est parce que c'est pas bon. Maintenant tu viens ici, puis le prophète, tu le regardes mal. Les yeux de sorcellerie là, tu viens sur le prophète. Pourquoi tu fais ça? Dis-moi, comme ça je vais t'aider. Je suis ton délivré, non? Depuis tu viens, tu as les yeux de chat, tu veux attaquer le prophète. Puissance de Dieu. Fais chez toi. Le feu consume tes œuvres dans le nom de Jésus. Le feu consume tes œuvres. La puissance de Dieu.
Esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Lâche-la. 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 Quitte son corps. Maintenant même. Dans le nom de Jésus. Vous allez plus rapidement, on va, au fur et à mesure que je tombe, vous les prenez, vous allez les faire délivrer. Sinon, je vais passer tout mon temps en train de délivrer une personne. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'ils ont? Comment vous êtes retrouvés à Digo? Comment tu es arrivé à Divo? Je t'ai pas dit que tu étais à la maison ou pas. Bon, quand je suis arrivé à Divo, c'est mon grand frère qui m'a appelé. Il m'a dit qu'il devait prendre une commission avec son patron pour que je vienne le remplacer. Donc vous ne savez pas ce qui se passe? Bon, ce qu'il m'a dit, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais vous êtes venu parce qu'il y a un problème. Oui, c'est ça. Mais justement, c'est ce qui m'intéresse. Le problème, c'est la sorcellerie. Parce que elle, sa maman est décédée, elle vivait avec mon grand frère. Ouais. Donc, dans le foyer de mon grand frère, elle a semé la discorde. Okay. C'est-à-dire le mari et sa femme, ils s'entendaient plus. Ils font les histoires. Donc, vous avez une idée, vous savez au moins, connaissez l'histoire de sa sorcellerie de la petite. Donc, au fait, je l'ai appelé. Mais il t'a informé au moins. Oui, mais justement, c'est ce que je veux savoir. Oui, oui. Parce que quand tu es ici, tu dois savoir pourquoi tu es là. C'est ça. Ah, c'est ça. Ok. Ah bon? Comment tu fais? J'étais allé sur la maman de ma camarade. Parle fort. J'étais allé sur la maman de ma camarade. Hein? J'étais allé regarder chez elle. Elle était là pour parler. C'est ça la fin de préparer. Elle m'a appelé pour manger, j'ai dit je ne mange pas. Elle m'a forcé à manger. Et puis j'ai mangé. La nuit, je dormais, elle est venue me chercher. Elle m'a blagué qu'on n'a qu'à aller dans la fête. Elle t'a blagué? Oui. Elle dit quoi? Elle dit qu'il y a une fête d'aller l'accompagner. La nuit quoi? Oui. Qu'est la fête? Oui. D'aller pour l'accompagner la fête? Oui. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée l'accompagner. Mm-hmm. C'est ça, on est arrivé dans son village. Parfois. On est arrivé dans son village. Mm-hmm. Et puis elle m'a donné le sang, j'ai elle m'a donné la viande, mais j'ai mangé. Mm-hmm. Et après elle m'a dit de tuer ma maman, je l'ai tuée. Comment tu as tué ta maman? Elle est enceinte. Mm-hmm. Et elle partait accoucher. Mm-hmm. Elle était là accouchée. Mm-hmm. La nuit elle dormait. Et je me suis transformée en hibou. Donc elle est là accouchée. Oui. Et c'est comme ça que tu l'as attaquée. Oui. Pendant qu'elle accouchait, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que tu as fait? Elle dormait et j'ai parlé trois fois seulement mes sorciers. Et il a tué aussi son bébé. Donc elle est morte? Oui. C'est l'accouchement? Oui, c'est pendant l'accouchement. Pendant l'accouchement, la maman est morte, le bébé est mort. L'enfant est mort? Oui. L'enfant est mort. Donc pendant qu'elle était couchée, tu as détruit son âme, l'âme de ta maman, et puis le bébé. Donc ta maman elle est morte et puis le bébé est mort, c'est ça? Oui. Et j'ai attaché aussi ma tante. T'as attaché quelle tante? Elle s'appelle tante Céline. Et on avait attaché ma couleur. Le mercredi, elle se sentait pas bien. C'est ça, il y a une maman qui venait prier pour elle. C'est ça, chaque. Quand sa mémé vient prier pour elle, moi, je n'étais plus dans la maison. Pour que la mémé ne prie pas pour elle. Ah, donc quand la mémé prie, toi, tu attaques la mémé. C'est ça? Oui. Vous ne pouvez pas que la mémé prie pour elle. Oui. Parce que tu allais la tuer. Oui. Ok. Elle est décédée. Ah, donc tu as fait quand la mémé n'a pas prié, puis elle est morte. Donc c'est la grande sœur en question. Qui ça? La grande sœur en question, ma grande sœur, c'est qu'elle a attaché. Oui. Parce que... Non, parce qu'il y a une mémé qui venait prier. Non, la mémé, c'est la maman spirituelle de ma grande-sœur. Oui, justement, c'est ce que j'entends de dire. Est-ce que, parce qu'elle dit, avant sa pratique de la sorcellerie, elle tentait de distraire. Donc elle a réussi à le faire, puisqu'il y a une mort. C'est ça? C'est la grande sœur qui est décédée.
Peut-être qu'on ne se comprend pas. La mort, là, c'est celle qu'elle a attachée. Parce qu'elle distingue. Mais on dit la même chose. Celle qu'elle a attachée, là, les gens venaient prier pour elle. Oui, elle défilait dans la maison pour ne pas compris pour elle. Pour distraire. Donc, finalement, la personne est morte. Ah, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que moi, je suis les éléments. C'est instructif. Voilà. C'est très instructif. Je veux savoir la cause de la mort de la dame. Puisqu'elle est en train de la distraire. Et finalement, elle a atteint sa mission. Puisque la dame, elle est morte après. Oui. Parce que quand ils font des aveux, j'apprends beaucoup de choses dedans. C'est pour dire, il faut insister sur la prière par moment. Il faut permettre aux gens qu'on prie pour vous. Ne vous éloignez pas des séances de prière. Quand vous sentez une menace spirituelle, conduisez-vous dans les lieux de prière pour qu'on prie. Parce que Dieu, là, il ne viendra pas dans ta chambre pour te délivrer. Amen. Si tu ne te sors pas, si toi-même tu cours pas vers Dieu, tu auras quand même des problèmes. C'est ça. Vous êtes là où il y a des problèmes parce que Dieu va venir dans ta chambre. Oui, allons-y. Le mercredi, elle était morte. Et c'est quand mon grand frère m'a... Tu as tué combien de personnes? 60 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 60. Comment tu arrives à tuer les 60? Je ne parle que les âmes sortes. Tu parles leur âme sort. C'est comme ça que tu arrives à les tuer. Donc tu es dangereuse. Tu as gâté la vie de qui? Il est c'est qui? Il s'appelle. Tu as gâté quoi dans sa vie? Quel tu as gâté Menzoué, ça veut dire l'eau? L'eau. Non. Non, je te demande, je te pose une question. Ça veut dire l'eau, c'est ça. L'eau. En fait, dans la famille, hey, monsieur. Monsieur, j'ai demandé Menzoué veut dire quoi? Tu as dit l'eau, non? C'est ça. Laisse-moi poser les questions. Maintenant, qu'est-ce que tu voulais dire? On a dit, elle a dit, dans la famille, on était 10. Ouais. Donc, toutes les filles sont décédées. Ouais. C'est la dernière c'est la dernière qui est décédée ce mercredi à 18h. Ouais. Donc, actuellement, il ne reste seulement que 4 garçons. Ouais. Dans les 4 garçons, il y a mon grand frère qui s'appelle Onzé Armand. Il y a Onzé Kofi Benjamin. Ouais. Il y a Onzé Boufranc Koumarik. Ouais. Et puis il y a Onzé Ngoran Jean, puisque je suis. Ouais. Donc elle dit qu'elle a gâté la vie de Onzé. C'est ça, je lui ai demandé qu'elle précise qu'elle est Onzé. Onzé, c'est qui? Quel tonton tu as gâté? Armand. Armand, c'est qui? C'est mon nom. Il est où? Il est à Oupé. Ça va? Oui, Onzé, c'est l'aîné de la famille. Bon, comme ça, quand sa maman le décède, ouais. D'abord il avait décidé de la prendre en charge. Ouais. Donc c'est comme ça, quand elle est arrivée là-bas, elle a tout mélangé entre le monsieur et sa dame. Et la dame en question. Okay. Et sa femme. Donc c'est ton frère qui l'a pris en charge. C'est mon frère qui l'a pris en charge. Maintenant qu'elle l'a pris en charge, chez eux à la maison, pendant une prière, c'est pendant la prière qu'ils ont décidé qu'elle était sorcière. Ouais. Maintenant elle était sorcière. Ils ont décidé de l'envoyer dans la cour familiale. Dans la cour familiale, c'était ma grande soeur Onzoui Adjoa Céline, moi, mon petit frère Onzoui Boufranc Omaric. Maintenant, le Onzoui Benjamin, lui, il est en Italie. Donc, c'est comme ça qu'ils l'envoient à la maison. Moi, on s'est dit que quoi? Elle est venue faire les vacances, comme c'est les vacances. Donc, elle est venue faire les vacances. On était là, ma grande soeur est venue mordre dedans depuis une semaine. Elle ne peut pas manger, elle ne peut pas boire de l'eau, elle ne peut pas ouvrir sa bouche, elle ne peut pas parler, rien. Maintenant, c'est ça, sa maman. Taisez-vous, s'il vous plaît. C'est là, sa mère spirituelle a commencé à prier. Parce que moi, je fais la peinture. Donc, quand je sors matin, je reviens à 18h, je suis fatigué, je vais dormir. Donc, quand je vais sortir, je lui demande est-ce que ça va. Je lui dis ça va. Donc, c'est comme ça que je prends mes affaires, je m'en vais travailler, je reviens. Quand elle a besoin de quelque chose, je fais ce que je peux faire. Je m'en vais. Donc c'est comme ça, pendant une prière, ça, la maman spirituelle de ma grande soeur en question a découvert qu'elle était sorcière parce que le jour où elle était arrivée, moi j'étais au travail. Donc elle dit que la petite défilait, elle défilait trop. Maintenant c'est ça, elle a détecté l'esprit de sorcellerie en elle. Donc c'est comme ça, ils ont commencé à prier. Maintenant par l'intermédiaire de la mère spirituelle, il y a une fille qui dit qu'elle vous connaissait. Donc c'est par l'intermédiaire de la fille qui sont arrivés ici.
Moi, je ne suis pas venu. C'est mon grand frère qui est venu avec elle, l'aîné en question, un joueur Armand, puisque c'est lui qui l'a pris en charge. En temps, avant ça, quand elle est venue la déposer à la maison, il n'a pas fait état de ce qu'ils avaient découvert sur la petite en question. Donc lui, il savait ça. Ouais, lui, il savait ça. Parce que quand ils ont su ça, là-bas, elle avait avoué ce qu'elle avait fait. Donc, ils avaient enregistré ça. Donc, c'est comme ça. Une fois, ma grande soeur, sous l'effet de la colère, elle dit la petite, la fatigue, mensonge, elle va tuer. Et c'est ta soeur qui l'a frappé, c'est ça? Non, ma soeur n'a pas frappé. Sous l'effet de la colère, quand ma soeur l'a tapé, elle dit non, il faut la laisser. Mais quand tu n'es pas là, peut-être qu'elle est chez toi. Voilà. Parce que moi, je ne suis jamais là, je suis tout le temps parti. Donc, un jour, on était à la maison, parce que ma soeur avait acheté un truc, un pot de Bissap. Maintenant, elle a remis l'argent à sa fille pour l'acheter. Maintenant, comme la dame réclamait le pot de Bissap, c'est ce jour-là que j'étais présent. Donc, quand la dame réclamait le pot de Bissap de 100 francs. Donc, elle a envoyé, elle va remettre le pot de Bissap à la dame comme elle réclame son bidon. Donc, elle va, dépose le bidon, revient à la maison, elle demande à la dame, est-ce que la fille qu'ils ont envoyée pour venir acheter le Bissap, est-ce qu'elle a donné l'argent? Donc, elle arrive à la maison, elle dit non, parce que la femme, son fils s'appelle Papi, donc c'est par là qu'on peut la reconnaître. Donc, elle dit, la maman de Papi dit, hier, Jolie est partie payer Bissap, elle n'a pas donné l'argent. Sa maman dit, ah, c'est quoi tu me racontes là? Hier, il a donné l'argent à Jolie, Jolie n'a qu'à partir acheter Bissap. Parce que je viens me dire que Jolie n'a pas acheté Bissap. Allons, elle est la maman de Papi. Elle était malade, marchait même, elle avait tous les problèmes. C'est une femme qui se lève vite. Donc, ils se sont levés en question. On va chez la maman de Papi. Ils reviennent. Elle commence à couler les larmes. Elle dit non, que la maman de Papi, Papi n'a pas souligné ce fait que c'est elle qui a demandé si ce qu'ils ont envoyé avait donné l'argent. Donc, c'est comme ça, moi, sur le film, je lui ai demandé, est-ce que ce qu'on t'a demandé de partir faire, là, c'est ce que tu as fait? Elle est papa. Il dit, si tu ne parles pas, tu vas m'énerver. Donc elle n'a pas donné. Voilà. Elle n'a pas payé. C'est la petite ou l'avait envoyée? Oui, c'est la petite. C'est pas qu'elle l'a envoyée. C'est qui? Ma grande soeur Céline, sa fille. Okay. On va revenir à l'histoire de la petite. Voilà. Ta soeur, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous arrivez à la tuer, ta tante? Donc vous avez déjà appris. Vous-même, vous avez déjà appris qu'elle était sorcière. Bon, c'est par l'intermédiaire de ma soeur, comment j'ai appris qu'elle était sorcière. Justement, c'est ça que vous avez appris. Oui. Avant d'arriver même ici, oui. Vous avez déjà cette information qu'elle était sorcière. Oui. Voilà. Et nous avons juste les deux dans matière de délivrance et tout. C'est ce que je voulais souligner, quoi. Voilà. Ici, la sorcellerie, ce n'est pas une fée en soi. C'est vrai que les sorcières, si on ne la débarrasse pas de ça, qu'on mettra des dégâts. C'est ce que je voulais juste souligner. Vous dites, vous êtes déjà informé. Vous avez déjà fait, comme chacun sa spécialité. On va l'aider. Maintenant, qu'est-ce que toi tu veux? Je veux ma délivrance. La délivrance? Oui. Mais qu'est-ce que te pousse à détruire les gens, les tuer? La sorcellerie. La sorcellerie. Oui. Parce que par moments, les gens disent que c'est des mises en scène. Il y a d'autres qui disent ça. Or, toi et moi, on ne se connaît pas. Oui, c'est ça. Voilà. Toi et moi, on ne se connaît pas. C'est vous qui avez envoyé, parce que vous avez appris que si on délivre les gens. Vous dites, il y a plein de personnes comme ça, qui ont des enfants sorciers ou des personnes sorcières. Ils ne savent pas où mettre la, où envoyer ces personnes. Ici, c'est un sens où nous délivrons les gens de la sorcellerie. Tu veux être délivré? Oui. Pourquoi? Parce que je pratique la sorcellerie. Parce que tu pratiques. C'est bon ou pas? C'est pas bon. Hey! La puissance de Dieu. Non, Jésus-Christ, je chasse l'esprit de la sorcellerie. Amenez-la à la délivrance, comme ça on va gagner en temps. La sorcellerie. Depuis... Comment tu t'appelles d'abord, monsieur? Je veux que tu pratiques, on sait. Je m'appelle. Il est venu avec qui? Mon grand frère. Venez. Je m'appelle Yoro Nazebo Trésor. Tu es Trésor? Oui. Il dit les trésors. Vous êtes venu à lui. Comment vous avez connu le coin, le centre de Niel? Bon, moi, je suis des Darois.
C'est ma grande sœur qui est jusqu'à Okouet. C'est elle qui est devenue mon fils. C'est comme ça qu'elle m'a appelé Daloa. De l'envoyer. Il était déjà sorcier. Il était déjà sorcier. Et vous venez d'où? Vous venez de Daloa. Donc l'enfant était déjà sorcier. Quelles sont déjà les manifestations là-bas à Daloa avant de l'envoyer ici? Comme moi, je ne suis pas à côté de lui. Oui, mais qu'est-ce que tu as appris? Parce qu'avant de l'envoyer, tu avais déjà des informations. Quelle est l'information que toi tu as eue? Tu avais déjà avant d'envoyer l'enfant. Il tuait les gens. Il tue les gens. Parce qu'il n'est pas encore délivré. Il tue les gens, c'est ça? Oui. Tu as appris quoi? Bon, moi, ce qu'il a appris, c'est un sorcier. Il m'a dit c'est un sorcier. Maintenant tu viens un sorcier, tu lui demandes pas. Je lui ai demandé, il m'a dit il est sorcier. Et puis il a dit quoi? Il a dit il a tué. Combien? 10 personnes. Il a dit tuer 10 personnes. Oui. Et tu lui as demandé encore d'autres choses? Je lui ai demandé. Il dit quoi? Il a dit il a gâté la vie de mon grand frère. Il est handicapé. Il est handicapé maintenant. Lui-même il est handicapé, mais il dit il a gâté sa vie. Ça t'a dit. Oui. C'est tout ce qu'il m'a dit. Parce que par moment les gens pensent qu'on se connaît. Donc on vous fait venir, on fait des montages. C'est ce que les gens disent pour nous insulter. C'est ce que les gens disent pour nous insulter. On ne se connaît pas. C'est ça que je précise très bien. Vous qui êtes là, vous êtes témoin de ce qui se passe ici. Le micro, tu peux aller t'asseoir s'il te plaît. Ça sonne. On met ton nom encore s'il te plaît. Mon nom, je m'appelle... Yoruba de Bout Trésor. Depuis 7 ans. Que tu fais quoi? Que je pratique la sorcellerie. Qui t'a donné ça? Ma grand-mère. Ah, pourquoi ces grand-mères sont nous? Elle t'a donné ça comment? Elle m'a donné ça par la nourriture. Comment elle a fait? Après-midi, elle a préparé du foutu. Il bègue un peu? Oui. Ok. Ok, je vais l'aider. Parce qu'il bègue. Elle a préparé du foutu avec du sauce plein, avec pas de bœuf. Elle n'a pas cuit dedans? Oui. Sauce crée, quand elle a cuit, c'est bien tout. Tu as tué combien de personnes? J'ai tué 10 personnes. 10 personnes? Oui. Tu peux me donner le nom de 2 personnes seulement? Oui. Oui, vas-y. Et Dieu mon père. Mon propre papa? Oui. Comment j'appelle? Il s'appelle Anissé. C'est un français? Oui. Il est français? Non. Anissé quoi? Yoro Nadebo Anissé. Anissé, ok. Tu as tué qui encore? Il a tué mon grand-père. Ton grand-père? Oui. Donc quand tu as tué le père, tu as tué le grand-père? Oui. Il fait comment pour tuer les gens? Il me donne comme un chien. Hein? Puis tu fais comment? Et maintenant, il appelle le Hanra 3 fois. Hein, puis tu les tues? Oui. Tu as gâté la vie de qui? Le grand-père de maman. Comment il s'appelle? Il s'appelle Fidèle. Fidèle? Oui. Tu as gâté quoi? Et regardez, je ne veux pas qu'il ait du boulot. Travail? Oui. Tu as gâté combien de personnes? J'ai gâté 2 personnes. La deuxième personne, c'est qui? J'ai gâté mes 2 petits frères. Donc ça fait 3. Puisque l'autre, c'est ton oncle, c'est ça? Oui. Ok. Et puis, donc ça fait 3 personnes. Oui. Les 2 frères, là, tu as gâté quoi? Les 2 frères, j'ai gardé, j'ai les emboutés pour la nourriture. Embouté, ça veut dire quoi? Embouté comment? Embouté, ça veut dire que elles ont donné la sorcellerie. Ah, ils sont devenus sorciers? Oui. On s'est joué dans la même équipe là? Oui. Et puis vous avez bien mangé les gens? Oui. Quand toi tu tues, tu manges quelle partie? Je mange la tête. Et le ventre. Les tripes. Le ventre, les tripes. Un foufou. Sens clair. Merci.
Et comment tu les tues pour manger? Comment tu fais? Quand tu tues là, tu fais comment pour transformer les gens? Je veux savoir. Quand je les tue, je prends les armes comme ça dans un pays où ça on pratique la sorcellerie. Ah, c'est un pays. Oui. Ok. Sur la confrérie, c'est un pays. Hein. Oui. Heureusement que c'est un pays. Et là-bas, tout le monde mange l'homme. Oui. Hein? C'est dans le pays là, toi, tu es. Oui. T'as qu'à entrer du pays là, passeport de ce pays là, tout appétit comme ça. Oui. C'est là-bas, toi, tu travailles. Oui. Ça te dit, tu n'as pas peur? Non. Ça te fait pas peur? Ça se fait peur. Ça n'a pas peur. Pourquoi? Parce que je vais laisser la sorcellerie. Non. Quand tu es là-bas, là, tu n'as pas peur. Pourquoi tu n'as pas peur? Parce que là-bas, il y a la lumière. Hein? C'est pas noir. Non. Chez nous, on dit les sorcellers sont noirs, sont vilains, vilains. Il y a la lumière là-bas. Oui. C'est pour ça que tu es là-bas. Oui. Donc ici, il n'y a pas de lumière. Si. Dis-moi, il y a quoi là-bas qui t'impressionne? Il y a quoi? Vous mangez bien? Oui. Vient de l'homme, c'est doux? Oui. C'est doux? Oui. C'est plus doux que poulet? Oui. Un petit, quand tu es dans la maison, il va te manger. Parce qu'il dit que l'homme est plus doux que poulet. Donc quand il te voit l'attentif, il va te manger. Est-ce que c'est bon la sorcellerie? Non. Mais pourquoi tu fais? C'est depuis quand ils ont su qu'il est sorcier? Depuis combien d'années? Ça ne fait pas année. Mais c'est à partir de quoi ils ont su qu'il était sorcier? Il a tué, il vient de tuer quelqu'un. C'est pour ça que vous avez su ça. Je peux t'arrêter là-bas. Il vient de tuer quelqu'un. Il a tué quelqu'un. Comment vous avez su que c'était lui? Donc, quand il a tué quelqu'un, il a fui du village. Ah, il a fui? Ah, il dit. Il fuit aussi? Oui. Quand il a fui, explique-nous. Il a quitté le village. Hein? Il a quitté le village. Mais comment il a quitté le village? Comment vous avez su que c'est lui qui l'a tué? C'est quand il a quitté le village? Oui. Mais comment? C'est quand il dansait, ça venait sur lui. Ah, le cercueil dansait. C'est dans le village. Uh-huh. Donc, c'est quand ils ont dit c'est lui, c'est le petit. Ils ont dit son nom, c'est le gars qui parlait, c'est son oncle qui parlait devant. Donc, quand le temps a dit son nom, donc, quand elle le chichait, elle avait besoin de ne pas. Il a fui. Et son papa, oui, il a tué. C'est son frère. C'est le bon, le chien. Après, ils ont entré le corps, on a eu le chien. Il a fui. Mais dit, il fuit aussi. Bon, moi je ne crois pas aux pratiques du cercueil qui coignent les gens. Moi je ne crois pas ça. Voilà. Je suis chrétien, je ne crois pas à cette genre de pratiques. Franchement, moi je ne crois pas qu'un corps peut attraper. Ça, c'est vos pratiques à vous. Voilà. Non, non, je dis moi je ne crois pas à ça. Moi personnellement, on dit les premières personnes de mourir une fois après quoi vient le jugement. Tout ce que les pratiques ont fait pour attraper sorcellerie là, je ne crois pas à ça. Seul Jésus-Christ peut nous délivrer des œuvres de la sorcellerie. Oui. Tu fuyais tout ça? Oui. Mais comment ça tu tues quelqu'un? Tu fuis? Parce que le corps t'a dansé. Ah, tu as peur? Oui. Et puis tu as courage de sorcellerie. Ce que tu fais là, ça c'est le travail de courageux. Allez, tu viens quelqu'un la nuit. Il faut avoir le courage pour faire ça. Pourquoi tu fuis? C'est le travail de courageux. Fais! Aïe! Aïe! Tu as la puissance de Dieu. Tu te libères du pouvoir de la sorcellerie. On va enlever ça de son corps. Voilà, on va enlever. C'est un esprit qui est en lui. Aïe! Aïe!
sorcellerie. Feu sur toi. Allez. Le feu. Le feu. Quitte ce corps. Pas. Au nom de Jésus. Pas. Allez, pas. Quitte son corps. Quitte son corps. Allez. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Si. Allez, va. Va-t'en. Quitte son corps dans le nom de Jésus. Quitte son corps. Allez, va-t'en. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de lui. Sors. Quitte son corps et pars maintenant. Pars maintenant. Sors. Allez. Va-t'en. 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 Sors de ce corps. Sors de ce corps. Puissance de la sorcellerie. Va-t'en. 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 Au nom de Jésus. Lâche-le. 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 Allez, lâche-le. Sors. Sors. C'est ce qui est en lui qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie. Si on ne le débarrasse pas de ses démons, il sera difficile pour lui d'avoir une lucidité. Il sera plus lucide. Et si on dit quelqu'un est possédé, vous allez beau lui donner des conseils, là, il va dire que j'ai compris, je ne tue plus, mais il retourne. Parce que il n'a... Et la force qui est en lui est plus forte que lui. Ça le pousse à lui faire la sorcellerie. C'est pour ça que Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Je vois des personnes dire, on a donné du lait à un sorcier, les délivrer. Mais c'est dangereux. Le lait ne peut pas délivrer un sorcier. Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. C'est tout. C'est tellement simple que ça. Je peux comprendre qu'on peut utiliser l'onction parce que c'est biblique. Feu! Allez! Sors de lui. Sors de lui. Quelqu'un va boire avant la sorcellerie, vous allez donner des conseils, ça ne rentre pas dans sa tête. Il est sorcier, il est embouté, il est sous le contrôle d'un esprit qui est plus fort que lui. Il est possédé. Vous le mettez là où donner des conséquences, quelqu'un qui prend la drogue, c'est un esprit. Vous allez beau faire, il va retourner à la drogue. Parce que j'ai un esprit. Souvent il pleure, il dit j'ai compris, j'ai fait. Mais si on ne chasse pas ce démon, c'est grave. C'est pour ça que par moment, on essaie de comprendre la personne qui a la sorcellerie. Oui, on n'exagère pas, mais on sait que la personne est manipulée par un autre esprit. Oui, mais celui qui a tué, mais oui, il a tué parce qu'il a été poussé par un esprit. Le fait. Il a été poussé par un esprit. Alors si on ne délie pas, il sera difficile. C'est pour cela que par moment, on ne doit pas souvent faire le procès des gens. Il faut les aider. Il faut les aider. L'Église a cette capacité d'aider les gens. Jésus aide les gens en difficulté. C'est pour cela qu'il s'est fait passer pour un médecin et qu'il est venu pour ceux qui sont malades. N'est-ce pas? Pour nous, ils sont malades. Il faut être malade, spirituellement parlant, pour livrer son Père. Voilà, il faut avoir vraiment un mauvais esprit pour le faire. Pour livrer ton père, pour aller manger les gens. Mais ça veut dire qu'il y a une force en lui. Et c'est cette force-là qui est en train de lutter le corps. Mais ça va partir. Parce que le corps est comme une enveloppe. Et dans le corps humain, il y a l'esprit l'âme. Il y a l'esprit et l'âme. Et c'est dans l'esprit humain que vient loger l'esprit de la sorcellerie. Donc tu n'as plus de volonté. L'esprit manipule ta volonté. Quand tu refuses, l'esprit dit non, fais. Va-t'en. Le jour où tu dis on abandonne l'esprit de la sorcellerie, l'esprit vient se loger dans ton esprit humain. Tu as maintenant un raisonnement différent des autres. Et bannir en toi ce qu'on appelle le sentiment humain. Tu n'as plus de la pitié. Tu n'es plus amour. C'est pour cela que l'Église est un centre, un lieu de délivrance. Un homme de Dieu ne doit pas échouer. Jésus-Christ n'échoue jamais face à un démon. Amen. Si tu fais que ça ne marche pas, viens apprendre. Retire-toi pour aller prier. Tu seras meilleur. On n'essaye pas. Ou on fait ou on ne le fait pas. Amen. Amen. Sors!
le feu sur toi. Tu quittes ce corps. Maintenant, tu vas partir. Vous savez, pourquoi l'esprit fait ça? Parce que l'esprit est allé dans son corps. Il a trouvé un logement. Il se trouve qu'il ne veut plus partir parce qu'il s'est dit, mais il va aller où? Et quand ils sont dans la nature, c'est grave, ils sont exposés. Ok. Et donc, ils sont plus à l'aise dans un corps humain. Donc, l'esprit lutte avec lui. Il ne veut pas partir. Mais il ira au nom de Jésus. Parce que ce nom est prononcé, il doit partir. Il doit partir. Libérer ce corps, parce que Jésus-Christ a vécu la sorcellerie. Pour que ce jeune homme-là vive sa vie, il ne doit plus sur la manipulation d'un démon. C'est ça que par moment, soyez patient avec les gens, comprenez-les et aidez-les. Amen. Sors. Lâche-les. Lâche-les. Il n'est pas plus fort que la puissance de Dieu. Jésus est trop puissant. Et que mon Jésus te libère maintenant même. Jésus te libère maintenant. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Lâche. Tu pars. C'est fini, il est délivré. Amen. Amen. Mais je lâche pas ce travail. Tu as été délivré. Amen. Là-bas, si on dit le cinquième, là, ils allaient te frapper. Dans leur témoignage. Quelque part, on va leur dire, article 11, le Seigneur te pointe, toi tu es en bas du Seigneur, le Seigneur se met en haut de toi. On a délivré beaucoup de la région de ça. Il faut danser le Seigneur. Quand le Seigneur, quoi, on te prend, on t'attache, tu es sous, en bas, comme le Seigneur. Oui. C'est depuis que nous sommes arrivés dans cette région que les choses ont changé. Amen. On leur a demandé de venir, même à la justice, dans la prison civile. On est arrivé à demander aux gens de faire sortir des prisonniers sorciers pour les délivrer. Oui. Tu as vu? Il est délivré. Amen. Il est passé devant toi. Tout à l'heure, on va faire une action. Le jour va retourner la sorcellerie. Il va mourir. Amen. Amen. Nous, on a ça ici. On a prié pour lui. Demain, il est parti, non? Maintenant, s'il est là pour dire, ouh, j'ai envie de manger. Pas jumelé. Pas qu'on fout. Comme une vieille, dans un village, on l'a délivrée. Elle a tué 150 personnes. On l'a délivrée. Et puis un jour, elle vient marcher. Elle va kiki. Et puis elle a vu les gens qui faisaient pas qu'on fout. Mamie, viens. Viens. Tu passes. Et il t'en donne les pâtes à la main. Mamie, viens t'asseoir.
Il y a pas qu'au fou. J'ai dit, mais mamie, elle dit qu'elle a mangé pas qu'au fou là, c'était viande. J'ai dit, mais à Kéké, leur mange, c'est quoi? C'est pas viande. Pourquoi toi, tu as Kéké qui marche, tu passes près des gens qui font pas qu'au fou? Mais ils vont t'inviter. Et elle est morte. Elle s'est enflée. Vous voyez, dans la vidéo, on a mis la dernière quoi, jour d'une sorcière. Elle s'est enflée. Le jour où tu vas retourner à la sorcellerie, tu vas mourir. Amen. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a délivré. Satan, c'est un menteur. Aujourd'hui, tu es délivré. Dieu est entré dans sa vie. Tout à l'heure, on va procéder, n'est-ce pas, aux actions, de leur amener à prêter serment. Et puis, c'est fini. Ça va? C'est fini. Il n'est plus dangereux. Allez. Toi, si tu es courageux, tu as voyé un sorcier. Il y a un gars qui était à Tofla. Il a envoyé une sorcière ici. Elle a traversé la Dina jetée. Son bras, ses côtes. La sorcière est sortie, elle n'a pas eu de problème. Elle a jeté Dina là dans la bouche. C'est fini. Il est délivré. Ça va, petit? Voilà. Va et ne recommence plus la sorcellerie. Les pasteurs vont s'entretenir avec toi et vont te parler de comment tu dois marcher avec Dieu. Ta nouvelle vie, c'est Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Reste là, je parle. Comment on parle français? Adibaye. Non, Ati. Parler français, comment on dit? Ati Bloch, oui. Ati Mabofe. Etivier. Papa. Elle dit quoi? Elle sait parler? Ok. Bloche. Je suis sorcière. Et tu bailles au frère? Je suis sorcière. On va te rendre où aller? Et tu bailles au frère? N'y est pas non, il y a au bail. Pourquoi je suis là? C'est parce que je suis sorcière. Je suis venu me faire délivrer. Une tante est femme, papa. Wow. C'est ma tante qui m'a envoyé ici. S'il vous plaît. Allez. Que balayage, mon étien est balayé son. Je l'ai prié. Je passe et mon nom est balayé. Je me suis dit bonsoir. Je me suis dit. Quand je suis venu en prière et puis papa m'a dit que je suis sorcier. Oui, ça c'est les détails. C'est qu'elle a fait, elle n'a qu'à dire. Ça, les détails. Les... C'est ma maman qui m'a donné la parole. C'est ce que je veux entendre. Et Wally Soukou, que je l'ai mis dessous. Eh, s'il vous plaît. Anthony, il dit que je suis un beau trou. A koné ya ba mam ye ndi yo ken ji ndo so ay la li ye wa gba blo ko suma mi sa e wol yo ke wol ke juro o ma mo ja nno ni ye won ne ba ti le a yi wo so ba mam ye mi ye won ti li ye se ki ta le ko ke se arrivé maman préparer sans sa chose de poulet quand j'ai fini de manger. La nuit, elle m'a appelé, elle m'a amené dans le monde, elle m'a donné le sang humain, j'ai bu. Quand j'ai bu, elle m'a dit, maintenant, ce que tu as mangé, tu dois rembourser. Crédit. Maintenant, à rembourser, moi, famille. Je fais pas ma maman. J'ai donné son papa. Papa de qui? Maman. Tu es ton grand-père. Tu allais prendre pour dire manger. Et Tu as tué combien? 3. Tu as gâté qui? Nous avons gagné à Blaïsika. On est à Blaïsika. Aya. Tu as gâté combien de personnes? C'est ça qui se gagne. Selon qui? Une personne.
Qui? Elle dit à sa père, Yael à Beauville. Comment elle a fait? On va se casser, chercher une boulette. Donc on l'a dit que nous avons C'est trop chaud, chaud, sorcier. On a bien rassuré à sa tête. Toi-même, t'es sorcier. Hein? Que tu viens à la brigade, à 10 sorciers. Mm-hmm. Réponds ma question. T'es sorcier, t'es baillé. Baillé-foué. Et t'as vu la dernière fois ici, non? Pourquoi tu viens et puis tu dis qu'il faut me délivrer de baillé-foué? Et puis c'est moi-même qui vois. Traduis le sachet. Tu vas dire à Balanza qu'elle ne va pas venir. Tu dois être chaud. On a fini par. Faut avoir l'amour pour aider les gens. Hein. Sinon, ça choque, mais faut être beaucoup amour. Ah, Darien, t'es venu tester alors. Mon frère, tu vois, c'est moi qui l'ai envoyé. Ah, je ne dis pas non. Quand elle est venue ici, là, elle connaît. Sorcier connaît où il y a. Son totem. Sorcier connaît son totem, il connaît. Accepte. Hein? Ici, tu es sorcier à t'attraper. Tu as vu qu'il est attrapé, non? Donc, je vois clair, non? Ici, il est sorcier, il t'attrape. C'est la brigade du sorcier. Toi, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Allez! Lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Amène-la à la délivrance comme ça on va gagner. Je m'appelle Golou Françoise. Je suis sorcière. Hein? Je suis. Hein? Je suis sorcière. Une. Elle a mangé sa belle-mère, elle a mangé son beau-père. Aïe! Je veux que tu ne pas m'aider. Hein? Je veux que tu ne pas m'aider. Pour faire quoi? Tu vas aller bien manger. Pour aller faire sorcellerie encore? Non. Je ne veux pas partir avant. Aider comment? Tu as fait quoi? Tu as gâté. Quoi? Tu as tué qui? Je demande, tu as tué qui? Ma belle-mère. Ta belle-mère? Oui. C'est quoi belle-mère? Je demande. La main de mon mari. Ta main et ton mari? Tu l'as mangé? Moi, tu peux manger, manger quelqu'un, maman de quelqu'un. Quand tu as venu manger ma maman? T'as mangé sa maman. Pourquoi? Monsieur que tu aimes. Elle était sorcière. C'est pas une raison pour elle, c'est mange pas pour toi. Puis c'est maman de. Pour les autres, tu manges, maman. Ça s'arrache, c'est ça? Tu es qui encore? Papa de mon mari. Papa encore? Tu veux terminer tout le monde.
Et mange maman. Et mange papa. Qui encore? Grand frère de ton mari. Mais le chien et le mouton, ils brûlent pour l'attacher. Le travail a bien. Tu peux pas laisser les gens d'une maison pour aller manger ailleurs. Ce sera quand tu vas aller te marier, il faut bien regarder. Vraiment. Ah, c'est dans le comportement que tu peux savoir. Oh, mais si tu ne sais pas, tu peux envoyer au scanner ici. Pour passer au scanner, si on a détecté, au moins on peut le délivrer. Pour la délivrer. Pourquoi tu peux manger maman de l'été? C'est lui là, tu es attaché là. Oui. Tu as la chance. Sinon, tu serais dans une bonne sauce à la chute. Avec Kalato, il y a Dabou là-dessus. Tu manges bien. Tu as gardé là ton mari. Comme ça, il va manger, à manger gravier. Tu as attaché monsieur, monsieur aussi. Vous, mais quand vous dites d'aller vous marier, vous regardez ici, vous regardez là. Elles sont ouan. C'est dangereux. Quand on fait sortir Mars Goli là, c'est eux qui ont voulu Goli chez les Baoulés. C'est ça. Eux ils sont dans le fétichisme. Eux ils avaient des dieux là, ils sont marqués pas dedans. Tu allais manger maman de quelqu'un. Tu as mangé papa de quelqu'un. Maintenant c'est grand frère qui mange. Marie mère tu l'as attaché comme Capri. Mais il l'a attaché là-bas. Marie n'est pas venue. Il l'a attaché comme Capri. Il est venu. Oui. Maintenant, tu veux quoi? Délivré. Au lieu d'envoyer les bonnes choses dans la famille, c'est la mort. La mort. Gardez. C'est ça mon problème avec vous. T'as fini de manger maman de quelqu'un, elle a été délivrée. T'as manger papa de quelqu'un, elle a été délivrée. Dieu est bon, hein? Ah, Dieu est bon. T'as manger ma maman? Oui. Tu n'as pas fait si bien. T'as pas allé à l'école? Oui. Pourquoi? Tu as sorcellerie, il fallait aller à l'école, tu allais venir grandir. Pourquoi pour vous là, c'est gâté, gâté? Comment tu fais pour tuer? Hein? Monsieur a dit clangbani. En chauve-souris. Et puis elle fait quoi? À l'arrivée, elle revient. Elle devient l'homme. Et puis qu'est-ce qu'elle fait? Merci. Elle a la personne trois fois. Mm-hmm. Et après? Ben, okay. J'amène l'âme à la confrérie. Mais Anina. Je transforme. Sois bien. En coq. Amène-la à la délivrance, comme ça on gagne en temps. Tu es sorcière. Donne-la le micro. Je m'appelle. Elle est venue avec qui? Elle est avec qui? Il m'appelle Ushu Kama. Comment vous l'avez envoyé ici? C'est ma grand-mère qui nous a envoyé ici. Oui, avec quoi d'abord pour vous être venu ici? Elle est sorcière. C'est ce qu'elle a dit. Mm-hmm. Comment vous l'avez su?
Elle-même, elle a tout dit même. Comment elle vous avez dit. Su? Elle-même, elle m'a dit qu'elle est sorcière. Oui, mais en quel moment? À la maison. Oui, en quelle occasion là-bas? On l'a envoyé à la, un chien, une femme fétichère. Quand elle était petite, quoi. Elle est malade. Souvent, elle est malade. Et ça, quand il l'a envoyé là-bas, parce que c'est la femme qui a dit qu'elle était enceinte, elle était un sorcier. Mais pourquoi elle n'a pas délivré? Non, elle ne peut pas. Elle n'a pas dit ça. Bon, pourquoi toi, tu ne connais pas la route de l'église? En ce moment-là, il ne se connaît pas. Hein? Il dit, en ce moment, il ne connaît pas. Dit. Elle a dit qu'elle est sorcière. Pourquoi elle n'a pas délivré? Vous laissez Dieu ce féticheur. Vous allez voir. Et elle vous a dit quoi? Elle a fait quoi? Elle a dit qu'elle a. Elle a dit. Je m'appelle Isho Kama Anik Onila. Vas-y. Je suis dans la sorcellerie. Depuis le vent de ma mère. Mon grand-père, sa femme, c'est elle qui m'a. Unité dans la sorcellerie. Mmh. Donc dans le vent de ma mère, je sortais par le faire, par le tuer. Par le tuer les gens. Donc, il y avait 2 ans, elle m'a dit d'envoyer mon papa, il a refusé. Donc ça, il a donné maladie à mon papa, le sida. Quand je lui ai donné. Comment t'as donné sida à ton papa? C'est elle qui m'a donné le pouvoir. Comment? Le pouvoir là, c'est quoi? Comment? Pour donner cette maladie? Le pouvoir des dragons. Ah, tu as le pouvoir des dragons? Oui, papa. Comment ça est le pouvoir du dragon? Le pouvoir du dragon, c'est une chose qui est puissante. C'est comment? Non, on veut savoir. Papa, c'est un animal. Et c'est comment ça est? C'est vilain voix. C'est vilain voix. Oui, papa. Puis t'ont donné ça? Oui, papa. Et ça a un pouvoir? Oui, papa. Mm-hmm. Maintenant, quand j'ai donné le maladie à mon papa. La maladie. Et la maladie à mon papa. Maintenant, il a enlevé la maladie. Maintenant, quand j'ai enlevé la maladie, j'ai mis le tout qu'on le fait. Attends, je comprends pas. Tu as donné maladie à mon papa. Et puis il a toujours ça. Non, papa. Tu as levé après. Lui a levé, puis j'ai remis un autre encore. C'était la maladie de Eni. Tu as donné après Eni. Oui, papa. Maintenant qu'ils sont partis opérer, ils sont revenus. Quand ils ont opéré, c'était fini. Maintenant, après, quand il est là, je mets ma main là-dedans. Et quand je mets ma main dedans, il touche. Quand je mets ma main. Dans plaie là. Dans plaie là. Il sent jusqu'à après, j'enlève. Après, je mets, j'enlève. Après, je mets, j'enlève. Maintenant, la femme là m'a dit d'envoyer quelqu'un. Mm-hmm. Donc, dans ça, mm-hmm. j'ai envoyé elle-même son mari. Non, la suite de ton papa, ça s'est passé après comment? Après, quand il a enlevé ma main, j'ai pris son travail, j'ai pris son âge. La plaie est devenue comment? La plaie, il a enlevé, donc c'est calmé. Donc, à chaque fois, si je mets la main, ça revient. Ça revient. Quand j'enlève ma main, mais ça pourquoi tu peux torturer ton papa comme ça? C'est des tortures. Oui, papa. Ah! Tu peux torturer ton papa. Torturer ton père. Ah! Les gens disent que l'église n'existe pas. Papa, ça existe. Oui, papa. Il peut venir faire expérience avec toi. Oui, papa. Hein? Tu vois un témoignage. Oui, papa, ça existe. La soixante existe. Celui qui dit ça n'existe pas, il y a expérience. Mmh. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as tué combien de personnes? Il a tué 100 personnes. 100? Oui, papa. Combien? Mais c'est normal, quelqu'un qui est né à ça. Déjà, le cœur qu'elle a torturé son père, met sa main dans la plaie. Je ne suis pas étonné qu'elle tue 100 personnes. Moi, c'est pas surprenant. Tu vois ton papa en train de te tordre de douleur. Et lui, ça ne te dit rien. Ce n'est pas pour les autres, tu vas avoir sentiment. C'est clair. Oui, explique. Allons-y. Tu as tué 100 personnes. Oui, comment tu procèdes? Vous voyez comment on arrive à mettre aux arrêts les criminels spirituels. Nous, on les met aux arrêts et puis on les désarme. Vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle les crimes spirituels. C'est une forme de crime, mais qui est spirituel. Déjà, elle, qu'on veut déjà compter. Par rapport à ce qu'on vient de délivrer aujourd'hui, on peut peut-être avoisiner dans 1000 morts déjà. 1000 âmes déjà tuées. 1000, hein? Plus de 1000 déjà aujourd'hui, que des personnes qu'on vient de délivrer ont tué. Vous comprenez? Donc imaginez-vous les gens qui sont dans la. Voici un peu le combat que nous menons. Voilà, voici le combat que nous menons. C'est vrai que les gens nous insultent, font ce qu'ils ont envie de faire, mais nous sauvons des âmes. Nous arrachons
ces âmes-là entre les mains des criminels spirituels. Voilà, parce que les gens doivent la vie. Il faut sauver la vie des gens. Oui. Quand je me transforme en dragon, quand j'arrive devant ta porte, je t'appelle. Quand je t'appelle, il t'appelle en trois fois et ton âme ressort. Quand ton âme ressort, je te prends et on s'en va dans la sorcellerie. Quand on s'en va là-bas, je te transforme en mouton et je prends le couteau et je te gorge. Quand je te gorge, on le tu n'as pas peur de gorger un être humain? Tu vois comme de devenir mouton là. Tu n'as pas peur? Non, je te demande. Papa, là-bas, tu n'as pas peur. Tu n'as pas de... sentiment. Moi, il peut tuer un poulet. Là, j'ai pas... Mais un mouton. Quand moi, j'ai tué un mouton, je fuis déjà. C'est difficile, hein? De voir un être humain se débattre. Hein? Ce cœur, il faut être possédé. Il faut être possédé, hein? Quand je vois les jeunes gens qui m'achètent les gens dans la rue... Un être humain, tu le machètes. Pardon, tu le poursuis, tu le machètes. Ah! Et tu le veux, tu veux, il t'arrive. Et tu le poursuis, tu l'achèves. C'est quoi ça? C'est quoi? Que Dieu nous protège. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme c'est écrit dans le nom de Jésus. L'être humain est tout sacré. L'homme est tout sacré. Puis pour rien, un matin, tu mets fin à la vie d'une personne comme ça. Parce que tu as envie de tuer. Dans la rue, c'est ce qu'on voit à Abidjan aujourd'hui. Les gens m'achètent les gens. J'ai vu ça sur Facebook, une jeune fille, j'ai pleuré. Elle est morte. Ils l'ont tuée comme ça. Parce qu'il y a les gens qui voulaient tuer. Que Dieu nous aide. Amen. Toute forme de crime fait mal. Parce que les gens sont innocents, ils n'ont rien à voir avec tout ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez être sorcier, allez faire vos sorcelleries, mais laissez les gens vivre leur vie. Parce que ces personnes ont des responsabilités. Est-ce que tu imagines au moins que ceux que tu es en train de tuer là, ils ont des responsabilités, ils ont des femmes à nourrir, ils ont des enfants à scolariser. Est-ce que tu penses à tout ça, les dégâts? Ben, tu veux manger orteil. Ouais, Paul. J'ai mal quand tu parles. Maintenant qu'on arrive là-bas, on prépare la personne. La femme, il y a une femme qui est là qui prépare la personne. Votre cuisinière? Oui, papa. Maintenant qu'on le prépare avec sauce graine. Oui, papa. Sauce graine avec foutou. Ah, mais tu peux. C'est mélangé. C'est mélangé, bah. Oui, papa. Faut expliquer. Maintenant, quand vu la femme vient de préparer, elle nous sert. Quand tu manges quoi? Je mange la tête et le cœur. C'est ton patron. Papa. Maintenant, la personne qui m'a dit de partir faire cela, là, elle me dit comme c'est moi j'ai envoyé, c'est moi je dois envoyer le cœur et la tête. Ah, donc on t'envoie. C'est toi qui vas accomplir. Oui, papa. Oui, papa. Maintenant, quand je réveille, tu es mon neveu. Il a tué mon neveu pendant l'accouchement. Oui, papa. Mes deux grands frères, les enfants, pendant l'accouchement. Toi, tu es là, puis tu commets des dégâts. Tu as gâté la vie de qui? J'ai gâté la vie de mon papa, et ma maman, et mes deux grands frères. Ça, c'est clair. Tu as fait quoi et quoi? Mon grand frère, il a détruit son travail. Et je lui ai donné la cigarette. Pour fumer. Oui, papa. Comment vous faites? Je suis rentré en lui. Quand je suis rentré en lui. Quand on va attendre que tu expliques ce phénomène-là. Comment tu peux entrer en quelqu'un? Papa, je me transforme. En comment? En dragon. Quand je me transforme, je rentre en lui. Oui, explique. Est-ce qu'il sent, rien, lui? Non, papa, il ne sent rien. Mais comment tu pénètres le corps humain? Papa, il s'arrête. Maintenant, non, c'est toi, lui, il ne sait pas. Oui, papa. Comment toi, tu arrives à pénétrer un corps humain? Sans que la victime en question ne sache. Tu fais comment? Papa, je me transforme. Oui, mais tu te transformes. Lui, est-ce qu'il ne sent pas quelque chose? Non. Mais comment? Quand tu rentres en lui, il ne sent rien. Non, papa. Et qu'est-ce que tu fais maintenant, en lui? Quand il rentre en lui, je lui dis, va dans la boutique, tu vas prendre les cigarettes. Va fumer. Maintenant qu'il prend les cigarettes, quand il fume, je lui dis encore, fais encore. Ça, il fait. Maintenant, je lui ai donné la boisson aussi. La boisson, pareil, je suis rentré. Maintenant qu'ils sont dans les maquis, je rentre en lui.
Et quand il boit, bois bien sur moi. Oui, papa. Il n'y a pas de balai dedans. Si, il boit le balai aussi. Maintenant, il a gardé la vie de maman. On est trois, on est trois. On a deux gars. Il y a les gens avec balai, tu les vois, certains les tuer. Monsieur, je vais jaune à mer. Je vais au citron. Tu sais qu'il est dans bord. Monsieur Bro, c'est ça. Tu sais qui aime parler? Les bouches. Bouche de Beleman. Mais moi j'ai pitié, je vois quelqu'un qui est invité. On a envoyé un plombier chez nous à Abidjan pour enlever le travail. Il a dit je viens. Il a dit quoi belé. On les cherche. Il y a un petit coin à côté. On dit mais c'est quoi? Il y a une heure du temps, il est là, il vient. Impossédé. Mais ça fait pitié, ils sont envoûtés. On te donne combien? Tu dis, belétisé. Ça fait pitié. Ça fait beaucoup de pitié qu'on voit ces personnes. Quand vous devenez un homme spirituel, franchement, vous pouvez aider les gens. Vous comprenez la situation, vous maîtrisez et pour vous aider. Parce que souvent les gens sont sous le contrôle des esprits. Ils ne font pas ce qu'ils veulent, mais ils sont manipulés par les esprits. Quand vous écoutez les aveux, ça doit vous instruire. Ça doit vous instruire. Oui. J'ai gâté la vie de mon papa. Son travail. Maintenant, quand j'ai gâté, c'est un agent de sécurité de son ici. Maintenant, quand j'ai gâté, quand il veut faire le papier. Parler chez les chefs là-bas, là ils vont lui donner le contrôle des chefs, comme chef de l'entreprise. Quand ils sont là, en promotion, c'est ça? Oui, papa. Quand ils sont là, le papier, je rentre dans le patron. Donc tu suis ton papa, partout il passe. Oui, papa. Maintenant, quand je rentre en lui, le dossier qu'il donne, c'est dans ma main qu'il donne. Donc le patron ici, oui, quand tu suis ton papa, tu le suis partout. Oui, papa. Dès qu'il est près du patron, tu rentres. Oui, dans l'âme, je prends le dossier. Tu prends le dossier. Oui, papa. Et tu pars où avec? À la confrérie. Maintenant, quand je fais cela, quand les patrons veulent l'appeler pour dire ah, monsieur Chaud, viens répondre à la convocation, je sais déjà. Et je mets dans l'âme du patron. Et quand il veut prendre le téléphone, je te pose le téléphone. Donc à tout moment quand il veut l'appeler, il veut quelque chose, toi tu gâtes ça. Oui, papa. Mais c'est ton père. Mettez-vous tous derrière, on va me suivre sur le programme juste derrière. Mettez comme ça, on aura la possibilité.